sauf une pauvre chalet. Fait que on va commencer avec toi qui s'en allait voir Anouk à 10h30. T'as rendez-vous avec Anouk. Au chalet. Yes. Fait que c'était au bar, là, au fond, que t'avais rendez-vous, je pense. T'arrives là, puis encore là, le genre de stress un peu. Ok. Lire son horaire. Perception empathie. Perception empathie. Empathie. Cool. C'est ça, ouais, les chips. C'est à qui les chips? C'est à toi. C'est de la bouche. Mais je voulais pas être fucking impoli pour ouvrir la paquet de porte quelqu'un d'autre. Tu l'as ici. Comment? C'est une belle faute, tu veux qu'elle arrive, c'est ça? Oh, excuse, je peux faire dans le micro, même. Je vais aller ici ailleurs. C'est ça, tu vois. Merci. Fait que tu vois qu'elle est un peu nerveuse, mais c'est flagrant. Elle regarde beaucoup la porte. Puis, quand tu rentres, à la limite, tu vois genre là. C'est pas bon. Fait que, quand elle voit, elle se lève, ça va se ramener, genre. Bonsoir, Michael. Michael? Michael. Bonsoir, Michael. Pour lire Laura, c'est difficulté quoi? C'est difficulté 7 que j'ai. Je pense que c'est là. Là, je suis rendu avec deux livres. J'ai tout fait chercher mes livres. L'assurance m'a ramené toutes les livres de belles. Ah oui, t'es de toutes? Ouais. Ils ont juste une petite fragrance d'odeur de petite canne, mais presque pas. C'est bon. Rien, là. Non, j'ai rien pour elle. Elle devait aller là. Ah, ok, c'est un poignet de main, t'en profitais, genre. Oh, oui, je. T'en profites tout le temps. Ça, c'est gratos. Ouais, d'abord, c'est peut-être pas difficulté 8, là. Ben, moi, Valéran, c'est difficulté 7, mais pour le perception empathie. Voilà. Pas trop, plus de peu, tu. Non, on va rien de mieux. Peu importe ça. Parce que si c'est 6, j'ai 2 succès. Si j'ai 7, j'allais jouer ça. Bon, faut que tu vas venir nouveau. Good. Fait que ça, elle a pas son aura, elle a pas d'aura rose ou quoi que ce soit, elle avait pas de diable. Non, du diable œil avec deux succès sur le site. Fait que. Non, de toute façon, je sais que c'est une 13e j'ai dit. Fait que. C'est ça. Fait que là, elle est assise, ben, elle se lève, elle va voir. Elle dit, ah, oh, j'ai choisi une table là. Puis tu sais, c'est comme une table dans un coin, proche de la sortie de secours. Ça va? Oh, oui. Y a-t-il quelque chose qui. Y a-t-il quelque chose qui te travaille? Ben. J'ai des problèmes avec mon ancienne gang. Fait que, okay. J'ai toujours peur qu'ils débarquent. Oh, je sais pas si ils sont dans la région. Oui, on était dans la région, puis on s'est comme pogné un peu. Puis moi, j'ai fait fuck that shit, puis je suis parti. Okay. Fait que là, je veux toujours pas qu'ils me remettent la main dessus. Là. Pas de danger. On travaille pour le prince, ça sent. Ouais, je sais bien, mais. Tu sais, Xavier est vraiment. Il est vraiment brutal. I work for the prince. You decline, sorry. Ah, t'as combien de manipulations, toi? De manipulations? Bah, fais donc un jet parce que. Je vais faire pour le prince, pas de manière régulière, mais je travaille pareil. Perception, quoi? Tu es utile au prince, mettons. Utile au prince. Je sais. Ben, pas besoin de le savoir. Présentement, elle se pose pas tellement de questions là-dessus. Ben, j'ai un rendez-vous avec toi à minuit. Oh oui. Mais, ça, je dis, t'es pertinent. T'as de la valeur. Fait que dans le fond, quand t'avais José avec, quand t'avais pas rien dit, genre vraiment de. Okay. Fait que là, vous parlez un peu. Je sais pas toi, tu as abordé le sujet de l'investigation. Je pense que tu m'avais parlé, ça. Tu avais dit ça un mot. Que je voulais proposer une job. Parce que moi, je partais mon agence de PR. Ok. Ben, c'est ça. Fait que là, elle te fait un peu un résumé de ce qu'elle est, tu sais. Puis tu vois comme qu'elle a de l'académie, elle a du physique, elle a de l'investigation. Tu vois, elle a une tête sur ses épaules pour vraiment que sa photo peut montrer. Non, c'est correct. Fait que, tu sais, elle venait de l'Ontario, right? Ça, tu m'avais dit. Ok, je vais l'écrire parce que je l'avais dit. Comme que tu m'avais dit qu'il venait de l'Ontario. Ok. Ouais, c'est ça qui est bizarre. C'est un ami d'Alanis Morissette. Elle a une grande bouche. De Dieu? Ok. Ah oui, oui, de Dieu. Fait que vous jasez. C'est un bon bout sur ça. Puis là, t'as demandé un peu les termes de la job avec toi. Genre, c'est un bureau ou non? Pas encore, mais. Comment tu veux que ça fonctionne? Qu'est-ce que tu t'attends de elle aussi?
J'ai besoin d'un partner pour toi. Je peux pas couvrir tous les angles. On va essayer de recruter quelqu'un pour le jour, pour prendre les contrats. On va vraiment s'établir comme détective privé en ville. Okay. J'ai besoin, pour les sorties, d'avoir un partner. Ben, sinon, ben pour les si jamais pour négocier avec les clients, quoi que ce soit, quelqu'un qui connaît un peu les lois et tout, pour pas qu'on se fasse non plus avoir. Ben, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est sûr. Et on est payé au contrat. En fonction de comment on réussit, selon les délais, d'habitude, ça nous donne plus. Mais okay, je ne veux pas garantir un salaire fixe, mais d'habitude, on se dévoile bien. Non, mais regarde, ça va me faire de quoi ici aussi, de me faire connaître, de me faire changer les idées. Je suis intéressé à embarquer, là. Tu me diras un peu comment tu veux partir ça, ce que tu as besoin que je fasse. Je vais essayer de me faire des contacts le jour, si ça peut t'aider aussi. Moi, je veux ça. Là, si tu me dis qu'on peut avoir des problèmes avec ton ancienne gang, tu peux juste me dire à quoi faut je m'attends, mais tes problèmes, ça me fait pas peur. OK. Ben, dans le fond, mon ancienne gang, ils sont cinq. Hein? Il y a Xavier, qui est comme la tête. Ils sont premiers? Ils sont cinq. Il y a Xavier, il y a Yann, il y a Raoul. Je vais essayer de prendre des notes, là. Ouais, laisse-moi le... Fait que, ancienne gang, Xavier Dolan, Yann Ferro, Raoul Dubé. Mais c'est Scott Hero. Moi, je viens de Bobio. Non, en tout cas, c'est Yann. Il y a Ben Glenn. Fait que le big boss, c'est Xavier. Dolan. Xavier, c'est le boss. Après ça, je vais essayer de te donner, elle va te donner hiérarchiquement. Xavier est professeur et en chaise roulante. Tant que c'est pas Xavier, on est quand même. Non. Ben, Xavier, ouais, puis il y a un autre. Xavier, c'est le Justicar, qui est un gang roll. C'est pour dire Professeur X. C'est ça. Professeur Charles Xavier. Xavier, après ça, t'as dit Raoul. Xavier, ensuite, il y a Raoul. Ah oui. Il y a Yann. Y-A-N. Y-A-N. Yann. Il y a Laure, L-A-U-R-E. Puis Isis. Ça, c'est l'Égyptien, ça. C'est pas vrai, c'est l'Égyptien, mon pied. C'est ontarien. Faut que je m'attende à quoi? Ben, Égypto. Je te dirais que c'est ça, là. Xavier, c'est. C'est un brutal, là. Il faut que ça marche à sa manière. Brujo. Yann, il est comme, c'est comme un ami de la gang, mais il fait pas partie de la gang. Après ça. En fait, c'est pas pire, je suis en train de. Elle me donne tout sans faire d'investigation. J'ai même pas besoin de les manipuler. Elle me donne. Elle a besoin de ça. Je suis en train de chercher. T'as besoin de protection? C'est ça. Il y a Luce. Elle, Luce, c'était comme sa meilleure amie dans ce gang-là. Ah, fait qu'elles sont plus que ça. Ils sont plus que ça. Mais aussi, c'est juste une amie de la gang-là. Tu sais, c'est son amie à elle. Puis elle dit, tu sais, Luce, elle est folle. Elle est folle. Ça m'intéresse, hein? C'est elle, juste du faux. C'est une folle, genre que. C'est genre que. C'est l'art, c'est de son vivant, elle fait beaucoup trop sur les costumes. Puis tout, là, aujourd'hui, là, des fois, elle se prend pour une elfe, des fois, elle se prend pour une magicienne. Elle est folle. Oh my God. Ça vit dans un grandeur nature. Tu parles de quelqu'un qui existe, là. Non, mais oui, tu sais. Je veux dire, il y a une couple d'elfes à Fléau. Qui est fort, quelqu'un. Mais tu sais, je veux dire, c'est ça, là. On connaît tous quelqu'un qui se prend pour un elfe. Oui. Fait que donc, Isis, Laure, Luce. Raoul, Xavier, Yann. Mais pourquoi t'es parti? Tu disais fuck that shit? Parce que j'étais tanné que Xavier.
Tu sais, je veux dire, des fois, si tu fais pas ce qu'il voulait, t'as écrit ça. Tu sais, pis il nous mettait en torpeur. Là, Fait que probablement beau, hein. Puis je l'ai souvent, je l'ai souvent vu frapper. Il y a une lame spéciale. Oh. Qui fait que c'est ça. Il a sorti, puis juste à sortir, ça fait peur au monde. Fait que, quand il touche, c'était peur. Fait que non, c'était une gang de violents, puis de. C'est pas du monde, comment dire, fiable. T'as pas vu de te tenir avec ça. T'sais. Fait que moi, j'ai crissé mon camp de là, parce que c'était rendu trop. J'ai une question pour toi. Mm-hmm. J'attends qu'il ne faut pas que personne écoute, là, puis je regarde là, vraiment. Ouais. Je fais de la specs, là, puis je check s'il y en a quelqu'un qui murmure ou quoi que ce soit. Je te dirais qu'il n'y a pas grand monde dans le bar. Là, surtout que le manoir est réparé. T'es dans le cam ou pas? Je me suis présenté au prince, puis je suis entré dans la cam. Entre autres, pour pas être tout seul. Mais parce que moi, je suis pas dans le cam. Moi, je suis un indépendant. Il n'y a pas de problème. Mais, je travaille pour qui? T'as dit que ça, il y a le prince. Moi, je suis un anarchiste. Toutes des backstabbers de marbre. C'est pas un backstabber, j'ai plus d'honneur que ben. C'est des petits bums. Ben, ça, c'est de la toutes des petits bums. Ça, j'ai eu de l'honneur à accepter une fois dans un égout. Une fois dans un égout, je parle de l'égout. C'est pour ça que t'as pas pris la job de shérif. Tu m'as dit que tu me l'offres pas, mais t'as-tu un intérêt? Peut-être, mais pas là. Ok, parce que tu m'avais dit oui, je te la proposais. Parce que son deuxième choix. On a vu que c'était. Je vais voir si ça vaut la donner à Grégory, est-ce que c'est. Quoi? Okay. C'est sûr qu'avoir pris shérif, ça m'aurait beaucoup aidé, ça. Mais on va... C'est vrai que j'ai dit. Je te l'offre pas, mais. T'as-tu un intérêt? Ouais, c'était subtil aussi. Je pouvais pas me permettre de proposer la job à quelqu'un que je connaissais pas en sachant pas s'il voulait la job. Quand même, plus de bon sens que ça. Ouais, je vais être ton shérif, un officier. Puis à un moment donné, tu dis regarde, j'ai quelqu'un de plus efficace que toi, fait que des crises, elle retourne la caméra. C'est ça. Pour le moment. Je te connais pas plus. Hein? Non. Non, non. Tu continues à jaser avec. Puis tu peut-être parler un peu du plan que t'as, puis elle dit ouais. Peut-être assez coopératrice. Je vais lui demander si elle a besoin de protection ou quelque chose, si elle a besoin de. Elle dit je peux quand même m'arranger tout seul, mais tu sais. Non, mais. Il s'agit d'une erreur, puis il peut me le faire payer. Là. As-tu besoin d'équipement de protection personnelle? Ben, j'ai rien de particulier, là, à part. Le moyen de me faire très discret. That could be nice. Y'a-tu un crayon là-dessus? Ah, je passe à gauche des couteaux, y'a des crayons. Ah. Tu... Parce que nice. Si t'as besoin, parce que travailler pour moi, je vais te fournir un sidearm si t'en as besoin. Ah. Je dirais pas non. Qu'est-ce que tu préfères? Qui se cache bien, là. J'ai pas le goût de si j'aime défendre que tout le quartier le sache. Un sniper, d'accord. Un shotgun canon. Pas de sérieux. Tu vois, Mané, toi, t'es à ton hôpital, et t'entends ta bosse un peu lever le ton, genre. Tu sais, puis okay. Elle a l'air de parler avec quelqu'un. Pis si tu portes un peu attention, je vais porter attention. Le gars, ça va m'étirer le coup, moi. C'est un journaliste qui a entendu parler d'une histoire, là, puis il vient comme. Ok, ouais. Nice, it couldn't be better. Je m'approcherai pas, mais je vais porter attention. T'as je sais pas specs. Si j'ai une manière. T'as le specs, de toute façon. J'en ai un, oui. Ça donne quoi, ça? Specs 1, c'est NN Sense. Fait que t'es capable d'écouter. Tu dis, regarde, je vais focusser. Je vais écouter mieux. T'sais, fait que tu vas entendre tout ce qui se dit comme si c'était à côté. Je vais faire ce qu'il vient de dire. Je vais écouter mieux. Comme si j'étais à côté. OK. Fait que. En fait, c'est une jeune journaliste. Oh. Fait que là, c'est une journaliste qui est là et qui est en train de parler, tu sais. Elle parle avec une voix douce.
Mais tu vois que ta bosse est comme un peu plus. Non, j'ai rien à dire, il n'y a pas de choses. Puis là, elle parle, puis elle a l'air d'en connaître beaucoup sur la scène qui s'est passée. Là. Qu'est-ce qu'elle dit, c'est vraiment comme. Tu sais, il y a eu quelqu'un qui est mort à l'hôpital. Elle parle pas du côté occulte, mais elle parle du côté. De la mort, tu sais. Il y a quelque chose de bizarre. Tu sais, c'est ça. À la limite, il n'y a rien de bizarre. Juste, il y a toute la négligence, tu sais, quelqu'un, tu sais. Puis là, genre, ouais, mais est-ce qu'il s'est suicidé? Tu sais, elle pose beaucoup de questions. Puis ta boss, c'est comme, non, je répondrai pas. Puis là, un moment donné, il y a comme deux autres infirmiers de l'étage qui arrivent, qui s'approchent. Puis là, ils escortent comme la journaliste dehors. Fait que là, ça a fini par s'en aller, elle dit alors chez moi là, mais je sais qu'il y a une histoire ici qui est cachée. Puis, Et ta boss, elle s'en va te voir après ça. Okay. Puis elle dit, c'est étrange parce que ça fait pas longtemps, hein. Puis il y a déjà quelqu'un qui est au courant, fait que il y a comme un leak là, qui s'est fait, puis je sais pas. Là. Les patients, ils reviennent, ils s'en foutent, là. Les visiteurs, là. Ouais. Ça peut être n'importe qui. Là. Ouais, c'est sûr, ça peut être n'importe qui. Puis, tu sais, elle dit genre, ça peut être un employé aussi. Là. Ça peut être de jour, ça peut être. Si c'est un employé, ça serait avant que sa mémoire soit wipée. Ouais, c'est vrai que. Faudrait qu'on réussisse peut-être à voir si on peut texter quelqu'un quelque part. Ben, si tu veux, je peux peut-être aller me laisser interviewer par. Je dirais la version des faits qu'on a. Comme ça, ça la calmera, puis ça l'empêchera de chercher plus loin. Ok, je vais. Parce que c'est surtout ça qu'il faut empêcher. Ok, fait que là, elle prend le téléphone, elle signale, puis là, elle dit comme. Sécurité, il y a une journaliste qui est en train d'être escortée dehors. Tenez-la, on va envoyer porte-parole. Là, genre. Fait que c'est correct. Fait qu'elle dit bon, regarde, je fais confiance. Arrange-toi pour que ça passe bien. T'sais. Comme je dis, elle ne voyait rien d'occulte là-dedans. Elle savait juste qu'il y avait quelqu'un qui était mort avec beaucoup de sang. Là, fait que c'est assez bizarre. Mais en même temps, c'est tout le les employés, ils s'en souviennent plus. Là, ils restent toi et moi là, qui s'en souviennent. Les deux autres là, sont passés, ils ont tout arrangé ça. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a sorti ça avant que ça soit effacé. Il y a ça en bas, mettons. Il y a ça en bas, à l'entrée. La journaliste, je me dis qu'elle attend là. Ouais, tu sais, comme elle attend. Et comme un peu, c'est pas stressé, choqué, mais tu sais, elle reste quand même calme. Puis là, l'agent de sécurité lui dit, tu sais, je rentre dans le bureau. Puis, Ah, je vais être. Non, on va aller d'un endroit. On va prendre un café, en fait. On va prendre ma pause. Ah, ok. Ça vous va, madame la journaliste? Oui, ça me va. C'est ça, c'est autorisé. C'est pas la vie que j'ai. On va aller d'un. Un café, s'il en prend un qui n'est pas achalandé, justement, pour que. Qui okay, donc pas un thé. Non, c'est ça. Pourquoi ça peut être le pile sans Saint-Louis? Ni un McDo. C'est pas un café qui est comme personne. C'est quoi ton self-control? 4. Self-control instinct. Le self-control instinct, c'est si tu es pas sur le pad de l'instinct. C'est ça. Dans le fond, il. T'as le self-control, puis des fois c'est l'instinct qui est en bas. Okay. Puis donc t'as dit 4, puis quand t'es sur plus 4, ça fait combien? Le evolve ou quoi que ce soit, c'est l'instinct. Okay, well, non, quand c'est la bête qui prend le dessus. Ça c'est le self-control, ça fait 4. Donc là t'as 4, fait 4 plus 4, difficulté 1. 2 réussites. Panique pas, t'es pas mort. Ah, bienvenue à la game, t'es mort. Non, ça c'est mal.
Où est-ce qu'il y avait l'église Saint-Joseph, excuse, là, que vous dites, là, dans le fond, c'est le presbytère, c'est sur Saint-Pierre? Je pense, ouais, c'est sur Saint-Pierre, pas loin du presbytère. Fait que vous assisez, genre, au café. Puis, vous assisez, ouais, genre, en culotte. Alors, nous assoyâmes. Oui! Oui. Fait que, elle posa son cul sur la chaise. Pour ne pas dire le thème. Puis, OK, elle dit, donc, vous avez décidé de m'accorder une entrevue? Ben oui, j'étais une infirmière que... Ouais, non, comme avouer, comme c'est quelqu'un confus, qui... C'est confus. Ouais, c'est pas trop sûr si c'est un homme, une femme, un homme qui est devenu trans. C'est ambiguïté. C'est ambiguïté, mais bon, ouais... T'es un héros de jeu de Final Fantasy. On sait pas trop c'est quoi son genre. Jamais, c'est pas. Fait que là, ouais, j'ai juste pas d'oreille de lapin. Tu vichais. Ouais. Attends que j'arrive level 5. Vicissitude, il tire les oreilles. Fait que là, OK. Fait que ça comme la rocheuse qui m'en avait en DL. Puis elle dit, OK, t'as personne. Pour le journal Sens Unique, mettons. C'était le journal de mon secondaire. Ça a l'air d'un journal impartial, ça. Le Sens Unique. Vous êtes mieux pensé comme nous c'est autres, ça. Sinon on vous désabonne. Ça va aller dans pas mal. Juste une direction. Je suis en compagnie de... Il y en a du charme. Il y en a pour me raconter l'histoire... qui s'est passé à l'hôpital. C'est un scoop, là. Il n'y a personne qui est au courant de ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu dire qu'il y avait eu un mort. Oui, en fait, le pauvre individu, moi j'étais en service quand il a été entré, il était admis à l'hôpital. Il était en crise. De ce que j'ai su, il y avait eu une peine d'amour. Puis il filait vraiment, mais vraiment pas. Et a fallu le calmer, évidemment, c'était pas la première fois que j'avais ce genre d'individu-là, donc après quelques minutes, on a réussi à le calmer, et par la suite, il a connu une nuit paisible. Par contre, le lendemain, avant que je revienne à l'hôpital, parce que moi j'ai le chef de nuit, j'ai appris qu'il était décédé, puis sans doute qu'il s'était suicidé. Fait que là, tu débrodes un peu ton histoire dans ces alentours-là. Puis là, fait comme, ah ben, je vous remercie, il y en a. Au moins, on va pour essayer de trancher un jugulaire. OK. Puis là, genre. Ouais, comme je vais rajouter des détails, mais comme qui ont l'air de. Le gars, il était nu. Il était déprimé, on l'a calmé, mais durant la nuit, il s'est suicidé. C'est tout. Fait que, tu sais, ça passe bien. Là, elle éteint l'enregistrement. Elle te remercie, elle éteint l'enregistrement. Puis elle dit. Par contre, là, l'enregistrement était éteint. Elle dit, par contre, j'ai entendu dire que. Mais il y a une force sur lui-même. J'avais le goût de faire péter une bombe dans le container. Là, c'est off the record. Tu sais, tu fais péter le container. Mais je sais pas si ça fonctionne sur. J'entends dire qu'il sur du monde avec True Fate. Parce qu'ils ont vraiment beaucoup de power. Loin, haut. Tu sais, il était. Ouais, j'entends dire qu'il y avait des pouvoirs. Il faut juste que j'aille trouver l'information. Comme un super-héros. Tu disais comme Jessica Jones. T'as pas la même emprise. Tu comme Superman, ça a l'air qu'il y avait des pouvoirs plus qu'humains. Mais... C'est drôle qu'il parle de Jessica Jones parce que j'ai écouté les 6 premiers épisodes, puis le méchant, là, il y a Majesty. Ah, oui, il y a Dominique. Excusez, à part. Okay. David Tennant, mais un des meilleurs méchants de Marvel ever. Faut que je m'attaque la saison 2 d'ailleurs. Je t'en dirai pas plus, non, mais ouais. C'est qu'on t'a rendu, je peux. Dans le Superman. Fond, c'est ça, elle a dit que ça allait. Ouais, mais j'ai pas vu ça. À ce que je sache, il n'y avait pas de pouvoir sur lui-même. Je sais pas d'où vous tenez cette information-là. Mais, j'ai pas vu ça quand il était arrivé. Fait que là, en tout cas, ben regarde, si elle a des infos, puis elle donne sa carte.
C'est une journaliste, ça s'appelle Lorraine. Si tu as des informations qui peuvent être intéressantes pour mousser. Moi-même, je vais même lui donner mon numéro de cellulaire si jamais je veux me joindre. Fait que. C'est genre, là, au bout d'une demi-heure, peut-être, peut-être ouais, on commence à finir, là, tu sais. Fait que, dis, en tout cas, elle te remercie beaucoup, puis elle dit, genre, c'est ça. Si vous avez des infos, je n'y vais pas pour me ramener. Ouais, puis. Si jamais il y a d'autres choses qui arrivent à cette table, je vous contacterai. Merci, merci, j'aime avoir les scoops. Elle est là quand même jeune. C'est la remplaçante de Bruno de Beauregard. Une fois que je vais revenir à l'hôpital. C'est Bruno de Beauregard. Si tu serres la main, ouais. Elle te sers-tu la main? Ben, j'imagine que oui, on se sert la main durant l'échange. Ouais. C'est free, perception, empathie. Okay. Ok, tu vas savoir c'est quoi. Parfait, perception, empathie. Est-ce que j'ai un roulement de perception ouais. Plus empathie. Que j'ai. Difficulté 7. 3 plus 4, 7. Donc, je vais te dire comment t'es power. Oui, ça va te l'aider. Ça, c'est OBA. Là, tant quasiment, je te lis. Il y a 4 d'empathie. J'ai 3 d'empathie, en fait. Ah, OK. J'ai 2. T'as 2. Donc, qu'est-ce que ça te donne? Oui. Un succès, tu vois si c'est une humaine, si c'est un vampire, si c'est une ghoul ou si c'est autre chose. OK, ça, c'est il est obligé ça. De te le dire. Ah, les ghouls aussi? Ouais. Ghoul, okay. Un werewolf, un... Un succès, c'est vampire. Tu vois-tu les bandes de beau? C'est une vampire. Okay. T'as combien de succès? 2. Puis deux. L'autre, c'est comme si elle a reçu des dommages. Fait que ça non, elle n'a pas de dommages. Mais ça. Si, dommage. Elle, si elle continue à te serrer la main puis elle garde le contact, tu peux rebrasser l'additionnel. Mais c'est ça. Merci, puis... Fait que je sais que c'est une vampire. Ouais, tu sais que c'est une vampire. Tu connais Joseph. OK, ben déjà que j'aurais fait de quoi en venant à l'hôpital. Ouais, là, en venant à l'hôpital, je contacte lui direct, mais cette fois-ci par téléphone. OK. Parfait. Là, ça dépend de quelle heure. Parce que si je suis avec un autre et je réponds pas, je vais prendre l'appel après. Tu vas sûrement prendre l'appel après. Okay. Toi et puis vous autres, vous êtes ensemble pour faire votre plan. Mm-hmm. Puis, moi, j'avais joué jusqu'à 11h30 puis je quittais Carmen. Fait que je m'en allais au manoir pour minuit. Okay. Fait que j'y vais, peut-être que j'arrive avant eux autres. Pour minuit, hein? Il devrait être cette nuit-là. Oui, oui, ouais, moi, en fait, j'ai dit à Dominique et Michael que je les rejoignais au manoir à minuit parce que ils m'ont comme, lui m'a comme texté pour me dire ouais. Gars explosé dans un hôpital, il y a un démon. Fait que j'ai comme fait, j'aimerais avoir plus d'infos. Fait qu'on s'est donné rendez-vous au manoir qui est maintenant opérationnel. Mais tu sais, j'arrive aussitôt que j'arrive. En fait, si j'arrive avant eux autres, j'ai des ordres à donner. Là, j'ai pas encore vu cette nuit, moi, je vais arriver d'ici. Ah, mais moi, je te texte, par exemple, à partant de Sainte-Madeleine, ouais. Je te texte pour te dire, comme je m'en vais au maman, le truc est arrivé. Oui, ben oui. Comment elle s'appelle? Faux. Sénéchal, digne de confiance. Fait qu'il y a des petits anticamines, là. Bon, j'ai reçu un texto de Jules qui dit, je m'en vais au manoir pour des infos. Ouais, il y a un truc qui est arrivé. J'ai des infos à minuit, si tu veux. Mais comment? Vous autres, il était pas tant tard. Mettons qu'il était 10h30. Là, comme ah ouais, OK. Nous autres, on avait jasé vite ça. Vous avez jasé. On était rendu jusqu'à 10h30, ouais. On était rendu où dans notre conversation, non? Vous élaboriez un plan. Oui, absolument. Sans faille. D'acheter la bombe nucléaire. Oui, je peux te faire écouter à moi, ça. Non. T'as-tu laissé ta carte? Ça, c'est un mauvais plan. On l'a déjà fait, Charles. Arrête de venir dans le passé. Les coulis, tu peux te les mettre au... ton cul. Genre. Bon. Fait que... Cette nuit. Tu vas faire ça cette nuit? Je sais pas. OK. Ouais. Ça a l'air réfléchi. Ouais, c'est intelligent. On a parlé de ça. Ah non, des lits, non. C'est 100% que non, oui. J'ai pas les voix. Genre, roll the dice. Ouais, le prince oui. M'a donné rendez-vous à ça dit non. Ok, on n'a pas le temps de faire ça avant. Non, effectivement, moi j'ai rendez-vous 11h en plus. Bon, fait que... On mijote là-dessus, dans le fond, puis texte-moi pour l'élaboration du plan pour après.
on parlait toujours que Elinor était en danger devant lui. Si on essaie de l'attraper d'une autre façon, mais ça. Ce qu'on pourrait faire, effectivement, je pourrais simuler que je suis toi. Puis pour que tu aies l'avantage d'une attaque surprise, puis j'aurais aussi peut-être pour amener des renforts. Hein, parce que c'est sûr que le combat, c'est pas nécessairement. Mais... Ouais, faut faire attention par contre qui va être au courant là, on veut pas avoir de langue sale. Ok. Mais pour mes. Moi j'ai des serviteurs loyaux. Ok. Faut pas utiliser là-dedans. C'est bon. Parfait, ben, on se tient au courant. Ouais, on se texte. Je pense à ça. Fait que maintenant il est rendu 11h moins 10. Ok, moi je m'en vais à vol d'oiseau. Ah ouais, tu te transformes en mouette. Ah! Non, en fait. Là, je suis encore Saint-Denis. Ouais, je pense que oui. Ben, en fait, moi j'ai rendez-vous à 11h à Saint-Denis. Ouais. Je sais pas combien de temps ça prend, c'est d'où. 15h. Fait que dans le fond, toi tu pars de Saint-Dominique, tu t'en vas à Saint-Hyacinthe, toi tu vas à Saint-Do. Tu vas à Saint-Dominique ou... Non, ça va être correct, okay. Merci. Je suis parti. Fait que... non, je vais aller voir... Je vais aller voir mon mentor en bas. Ok. Es-tu réveillé? Oh, bon. Il est réveillé, il est avec... fait qu'il est avec Zénon puis Baba, puis ils sont en train de... de parler que Charles, il aimerait ça le raconter. Bon, non, okay. Je m'en vais les voir. Okay. Ils sont en train de donner des cours encore à Zénon. Bon, ben, Zénon est encore de me voir. Neutre. Allô. Tu fais le saut parce qu'il est comme habillé aujourd'hui. Là. Il est plus dans son lait de renaissance. Il est rendu à 5 sur 10, c'est pas mal savoir pas mal les choses. Fait que je dis à. C'est-tu que j'ai jamais son nom? Isaïe. Bon. Je dis, il se passe plein de choses dans le fond. Puis, ça brasse. Je vais aller voir le prince. Je sais pas si c'est possible pour toi d'être à l'affût. Ben, je peux, là. Mais tu sais, je suis un peu occupé avec Zinon. Un peu. Les surveillés, ils parlent pas avec. Ils parlent vraiment comme bon. Ben, tu les entends à la limite, là. Parce que tu as le sens sacré de l'eau, ouais. Je pense. Fait que tes antennes chuchotées qui disent genre, ouais, peut-être retourner en ville, ça ferait un autre chose de gars, tu vois. Bon, ben, on va y aller en ville, la soirée. Vous venez avec en moi? En ville. On va y aller, puis voilà ce que tu as besoin comme affût, là. Ok, ben, en gros, le prince a fait un mauvais choix. Il a décidé de nommer Camille comme étant son. Son procureur. Scourge, yes. Ok, ben, s'il a confiance en lui, c'est le prince, hein? Thanks, dude. Tu veux pas une perception en partie, ouais, ça, je veux dire. C'est sûr, il est doyen à. À tout ça, c'est un fucking vieux PD. Hey, c'est rien non plus de lui! Ah non, mais il est super traditionnaliste, c'est pas. 7, 9, 10, 1. J'ai deux réussites. Ouais. Fait que, tu sais, il y a une petite touche de sarcasme, là. Tu vois ça, là, vraiment. C'est le prince qui l'a choisi. OK. Puis on peut rien faire contre ça. Mais aussi, c'est mauvais pour l'équipe, pour. Si c'est mauvais pour l'équipe, le prince va le tasser de là. Ouais. OK. Ouais. Parfait. J'aimerais savoir si c'est possible d'avoir une audience avec. Monsieur Xénon, pour un de mes amis qui. Xénon, hein, Xénon. Ah, c'est un serveur et tel, Xénon. C'est Z-E-N-O. Ok. Zénon. Tu sais, il garde Zénon. 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 C'est un vrai. Zénon. C'est un de mes amis proches, puis, ben, comme tout le monde est au courant un peu de votre présence ici. Ça peut être savoir, là, mais. Quelques-uns, effectivement. Qu'est-ce qu'il veut? Ben, je pense que... c'est Zénon qui parle. Il y a beaucoup de... Je crois, sans pouvoir vous le confirmer, là, qu'il y a beaucoup de respect pour vous. Il aimerait juste s'enrichir à pouvoir parler avec vous.
OK, je sais pas ce que je peux lui apporter, mais ouais, si je veux... Ben, il y a toujours possibilité, hein? Si vous venez avec moi en ville, que je puisse le contacter, on était supposé se revoir dans la nuit. OK, là, il se réveille, il paraît qu'ils aillent, fait comme... Ben, on va aller, on va passer au manoir durant la nuit. Là. OK. On va aller... comme il dit, je vais aller prendre un bain de foin. La population d'aujourd'hui. OK, c'est parfait. Parfait. Fait que c'est bon. Fait que moi, je pars à vol d'oiseau. Hein, à vol de cheval. Me mélange dans mes animaux. J'ai comme des sabots. Là, je vais voler. Fait que je vole au-dessus de la ville. Puis, il est où Sébastien là-dedans? Il me suit! Attends! Ben, lui, ben là, lui, il était à Saint-Dominique avec toi ou il était chez eux? Oui, il était venu me réveiller dans la porte. Ah oui, il est là, il t'attendait en dehors de la pièce, il a pas vu Zénon, là, puis il est là, puis quand tu sors, il dit là, on fait quoi, asseoir? Ok, parfait. Fait que j'ai dit, dans le fond, on va aller voir le prince, puis on va aller voir, il y a probablement des devoirs, des choses à faire, là, et il se passe des choses en ville. Ça va. Ça va te faire connaître un peu mieux. Ok, je prendrai pas mes ailes. Ben non, on peut prendre mon char, là. Ah oui, c'est vrai, t'as un bon dessus. Oui. 2013. Aïe, aïe, Non, je l'ai pas encore, je l'ai de fit. Ah, ok. Ok, parfait. Fait que, bon, on va aller. Parfait. Fait que toi, t'arrives en ville, je vais l'appeler. 2017. On joue là, là. On joue pas, là. Non, en novembre, tu l'as, t'as tout oui, là ton dossier. Oui, on est le 6 novembre. Lundi, le 6 novembre, au frère. Mais 6. Fait que toi, t'arrives à ton lieu de rendez-vous avec le journaliste que t'as calé. Ça fait au banou. Au banou, parfait, au banou. Ça parle un rendez-vous avec un journaliste. Pour Marie-Ouest, c'est pas pour moi. Attends, non, moi, c'est pas Marie-Ouest, il est fermé à cette heure-là. Non, ça va être à mon bord. Okay. Vous avez juste à goulifier Lorenza, j'entends. Hein? Lorena. Okay. Oui, c'est son nom. Non, non, pas Lorena. Après ça, il va être comme un colombien. Il n'y a pas besoin de café pour rester éveillé toute la nuit. C'est hein? Ça, quand tu le manges, il y a de la caféine dedans. Fait que si t'as le flot, genre que t'as besoin de caféine, t'as juste à craquer quelqu'un. Bon, t'arrives donc à ton bar. Le journaliste est là. Ici, fait. Ok. Cool. De quoi qu'elle a l'air, de quoi qui a l'air. Elle a l'air d'un homme. Non, pas la rien. Ouais, c'est peut-être la reine pareille, parce que c'est trois. Genre. Ah, c'est Ghislain! Salut, mon petit. Et je t'apprécie que t'as rencontré. Ben, salut, dans le fond, est-ce que c'est lui? Non. Non, ok. Ben, Vous avez l'air de quelqu'un d'important, par contre? Ouais, oui, il y a beaucoup de. C'était habillé chic quand même, avec une petite coupe de cheveux de mongol, là. Juste comme un beau complet, en fait, un beau complet Armani à 2000$. Puis, je voulais juste savoir si ça t'intéressait d'être mon contact, en fait, parce que je me recherche des relations d'affaires, tout ça. Puis si jamais j'ai besoin de faire appel, j'imagine que tu as des sources aussi. Puis moi aussi, je peux t'apporter pour de l'information à l'échange. Ok, ben, tu aurais pas un petit preview de ce que tu peux m'apporter. As-tu des nouvelles intéressantes? Dementation, toi. Deux. Je peux te prédire que ta vie va devenir un enfer. Ouais, j'ai pas dû songer à mon esprit, puis regarder les feuilles tomber dehors, puis voir si tu vois un signe bizarre. Dans ton café. Ouais, mais pour vrai, c'est j'ai lu, il disait comme quelque chose comme ça dans les symboles, comme dans le fond, comme un fou. Hein, ouais, tu peux voir des affaires qui sont pas là ou qui sont là, qui devraient pas. Ou... Ok, mais regarde bien à la place. Je demande à... C'est-tu acteur ou non? Comment il s'appelle? Didier? Ouais, tu me passes sur un journal d'aujourd'hui, s'il te plaît? Ah oh ouais. En fait, je regarde ça, puis tant que je m'en vais à la première article, là, genre une grosse page, journal de Montréal. Ouais. De Montréal. Ça va faire ça. Ok. Sur l'article. Ouais. Fait que là, c'est... Faut-tu un an que je joue à Vampire? Demandation 3, je l'avais jamais vu nulle part. Puis là, ça commence. Juste moi qui t'assais pas. C'est une twist. C'est joué à ce jeu-là. Tu m'as. Oh, passion-là. 15 Emantation, c'est malade. Aïe, ok.
Holy shit! Pour vrai. Ça a besoin d'être crunchy. J'ai un fail sur 7D. Le reste, c'est des succès? C'est des succès à 6. Pour vrai, j'ai un 6, j'ai tous des 7, des 8, c'est ça? Ok. 7 moins un D. C'est même pas un fail, c'est pas un. C'est juste un watching, là. Non, il 7. 6 succès. Pour moi, je viens de voir la fin du monde quelque chose. Je viens de voir que lui va faire tomber. Je viens de voir que cette émission est lesbienne. Mais non, ça fait longtemps. Hein? C'est vrai. Mais ton personnage. Tu as fait là, les tunes pour le film de bateau. Tu hein? Penses pourquoi, là, in vitro? Sauf qu'ils disent, par exemple, que ça des fois, ça peut contenir un vampire spellbound pour des heures pendant que tu essaies de le faire. Ah oui? Ouais, ça peut arriver. Ok, c'est pas. Fait que, ben dis, tu mets à lire l'article, il est quand même pas long l'article, là, tu sais. Fait que tu le lis, pis c'est si réussir, tu sais. L'article, c'est genre, tu vois, c'est l'hiver, peut-être, ou n'importe quoi. Non, premier article, la première page, première page, ok, ouais, c'est un gros article, ouais. Le Canadien. Il parle de Justin Trudeau. Okay. C'est des bons articles. C'est habillé en indien. La recherche, pis bon, c'est dans ces articles-là. Il parle de Justin Trudeau, pis c'est habillé en indien. C'est ça, sûrement, quelque chose. Dans le spécial du week-end, c'est là, comme une page là-dessus. Tu lis l'article, puis tu découvres. Tu sais, t'es capable de découvrir plein de choses qu'on s'en calisse. Genre, le gars, il a écrit l'article à telle place, avec tel ordi, à telle heure. Wow. Tu sais, puis là, un moment donné, tu commences à comprendre que le gars, il s'est fait imposer un article. Ça ne tentait pas d'écrire cet article-là. Genre. Puis c'est toutes des affaires un peu inutiles autour de l'article. Puis un moment donné, il y a une phrase dans l'article qui est tout à fait banal, genre. Tu sais, vraiment une phrase qui apporte rien au texte. Tu sais, tu lis le blablabla, puis là. Comme ça, c'est tellement plate comme phrase, là. J'ai même pas d'idée de ce que c'est. Puis là, toi, tu comprends il a que. Il son café, genre. C'est une chance que la température était clémente cette journée-là. Genre. Ouais, okay. Exactement. C'est ça. Genre, c'est la. Puis toi, cette phrase-là, te fait réaliser que Saint-Hyacinthe est en danger, genre. Quand t'arrives cette phrase-là, tu fais comme, qu'est-ce que cette scène est en danger, là? Les flammes, il y a des flammes en dessous. Ok. Ici, là, tu sais. Mais dans le fond, c'est quoi le nom du journaliste qui a écrit l'article, mettons? Pierre Gauthier. Bruno. C'est. Jean-Paul Gauthier. Ben, j'en ai pas, ça va être un François. Germain Duhamel. Okay. C'est François. Bonjour. Bonjour. Ok, ben dans le fond, est-ce que tu connais ce journaliste-là? Un peu, oui. Ok, ben si tu veux de quoi de croustillant, moi à la place, j'irai le voir, puis je lui demanderai s'il a la simple mémoire d'avoir écrit ça ou si c'est. Qu'est-ce qui a motivé ses raisons de ça? Ça te ferait de quoi de creuser? Tu pourrais voir que c'est un peu louche. Oui, que tu veux qu'il prenne des notes dans son calepin. Voir avec François, voir l'écriture de l'article. Je serais pas surpris qu'il ait plus de mémoire de l'avoir. Qu'il ait pas la mémoire de l'avoir. Ou sinon qu'il ait... il se souvient même pas pour quelle raison qu'il a. Ok. Je vais prendre des notes là-dessus. Puis je vais pas parler de l'affaire du feu. Non, ah, ok. Non, ça me tente pas de passer comme un terroriste. Non, mais c'est une information intéressante pour toi, par exemple. Un prophète dans ma vie. Ouais, mais c'est de le à quelqu'un, toi. Hey, j'ai vu ça dans le journal avec des chiffres cachés. C'est le diable! C'est mon frère. C'est Jean-François, c'est pas Jean-François. Ouais, c'est pas Jean-François, c'est l'ami. Moi, c'est pas Jean-François. Ah non, non. C'est plus bien. Les journalistes. Dans son article, toujours eu des permis pour ça. Toujours eu des permis. Il ne comprend pas depuis qu'il y a moi les Colombiens, il y avait ça comme accéléré. Tu prends de la coke? Non. Ah, bien sûr. Fait que là, Ghislain, il s'en va un peu perplexe. Il ne comprend pas trop pourquoi tu dis ça, mais il dit ok, je vais communiquer avec lui, m'informer. Parfait, c'est si ma carte, si jamais il y a un peu. Il apprend, puis... Il est bizarre, il n'a pas juste ses cheveux, tu effectivement. Ouais, une coupe de cheveux. Moi, on va y faire un petit patch-up en bas. Ok. Question de...
bien stimulé à sa job. Une, deux, trois, quatre, cinq. Donc deux, dix. C'est long, cinq, là. Quand même pas peu. Un an, là, je pense. Un an. Ouais. Un an de fashion up. En fait, là, il était intrigué. Fait que pendant un an, il va être intrigué. En fait, il était presque plus confus. Un an, c'est un mois. Un mois. Cinq succès, c'est un mois. OK. Fait que pendant un mois, il était passionnant. Il a écrit ça, mon petit ami. Juste un mois. Il est passionnant. Jusqu'au 6, c'était son. Ouais, mais c'est pas jusqu'au 6. J'ai toujours un petit. Plus moins. Hein. Ah, what the fuck? Mais non, mais c'est pas c'est trop plat, c'est le 6. C'est ton problème. C'est le 25. Quasiment deux mois. Quasiment deux mois. Hein. Mais j'ai pas mis 19, j'ai mis 10. Mais... Ouais, on fait pas mal. Donc, et on revient à notre fabuleux prince. Allô! T'es chez vous. Je n'étais pas encore allé. Hein? Je n'ai pas encore rentré. Non. C'est ça. Fait que tout est refait. C'est super beau. Ça a l'air de ce que ça avait l'air avant que ça pète. Okay. Tout est replacé à moins une petite affaire. Faut qu'il n'y a plus genre. Il y a la tapisserie replacée. Ah, ça, c'est trop beau. Il n'y a pas de tapisserie. Est-ce qu'il y a des mouleurs? Il y a ce que tu veux. Ouais, parce que j'en veux beaucoup, là. T'as je suis de rockstar, là, tu comprends? T'as un fucking beau, des belles moulures, okay. Des formes magiques. En fait, dans ça le, glam, les dans, dans glam. Le salon, là, que tu rentres, là, il y a du stock victorien. Ah, parfait. Fait qu'il faut qu'elle fasse un jeu de self-control pour pas comme... Ah, ouais, c'est vrai, très bien. Ah, ça serait vraiment bonne idée, ça. J'avais tellement hâte de faire un jeu de ça. Combien, qu'est-ce que je brosse? Le clan, quand c'est beau, il fiche. Oui. Si c'est le plus beau du beau, oui, je fige. Attends, c'est quoi, je brosse? C'est mon self-control. J'ai 3, fait que je brosse 3D, c'est ça? C'est self-control, ouais. Difficulté 6. J'ai 2 réussites. OK. Fait que c'est tristement beau, mais tu tombes pas dans l'œil. Ah, bon. Mais tu prends le temps de... J'ai su ma bave. Contempler le tout, ouais, c'est ça. La bave de Jules, là, tu contemples tout ça. Fait que je me rends à mon trône en faisant des petits pas de danse. Genre un peu comme de la claquette, mais plus sophistiqué. Dextérité performance. OK, parfait. On va te dire à quel point c'est beau. T'aimes ça faire des jeux. Dextérité performance. Ça, t'essaies de tasser. Dextérité. Ah, ça sera peut-être pas si beau que ça. Attends, je m'en viens. Non, mais d'un coup, il y a un autre radar qui va danser. Sur 6? Ouais. Bon, j'ai 2 réussites. Fait que, tu sais, c'est assez cool. Là. Assis. Tu vas te faire le moonwalk. Ouais. Cool. Est-ce que quelqu'un t'a vu? Je sais pas. Il y avait pas vraiment. Vraiment, il y a pas personne à ce moment-là. Tu sais, on a l'air de Sam Rockwell dans Charlie's Angel. Ouais. Ok, parfait. Vraiment merci. Faire ça pendant 20 minutes, là. Fait que. Tu es lustré devant ces messieurs. Là. D'accord. Mais je garde mon linge. Ok, parfait. Puis là, quand t'es rentré, ça prend genre 5-10 minutes. Là, le monde commence à rentrer. T'sais, le monde, il rentre pas, t'étais pas là. Ah, il reste dans le portique avec la musique d'Astro. Ouais, c'est parfait. Petit, t'es dit. C'est ça. Excellent. Fait que. J'installe un ventilateur pour avoir du vent dans mes cheveux quand je suis assis sur mon ventilateur. C'est pour vous montrer l'attitude générale. Ah, j'aurais dû m'occuper. Ouais, ok. Fait que là, je suis la première arrivée. Ouais, bah oui. Comme ça, j'aurais pu. Qui, tout est beau, fait que j'ai pas d'ordre à donner. Non, là, vous devez avoir personne. Ok. Puis qui rentre en premier, mettons? Ben, il y avait lui qui allait arriver. Ok, c'est l'autre qui rentre en premier. Fait que ouais. C'est bon, on va. Cool. Let's go back to business. Back to businesses. Minuit moins 10, minuit. Ouais, minuit moins 10. Minuit moins 10. Je suis un peu en avance, j'arrive pas. Je me fais pas attendre. C'est bon? Pas toi! Lui, il arrive avec Anouk, que t'as vu qu'une seule fois. Puis, mais je vais avoir pris l'appel. Puis, je vais l'avoir oui, appelé. Oui, on va le faire l'appel, go. Fait que toi, tu l'appelles. Tu m'appelles moi? Qui? Non, les oui. Deux, salut, ouais. Lui, ça parle un peu. Yes. Nickel. Je vais retourner ton appel, c'est. Ouais, juste te dire.
Il y a une journaliste qui avait l'air d'en savoir pas mal sur le patient. Quand je dis pas mal, genre, elle était au courant que c'était pas juste un suicide, là. Il y avait des habiletés surnaturelles. Je sais pas d'où qu'elle a su ça. Je peux te donner un cue. Mais aussi, je lui ai serré la main et j'ai su que c'était une vampire. Alors, je t'envoie son nom. Ça, je te l'envoie en texte. Petite photo de la carte. Petite photo de la carte. Ah, ben oui, t'as encore mieux. Fait que là, t'as son nom, le numéro de téléphone, t'as le journal, qui elle travaille, tout. Ouais. Fait que si jamais tu veux enquêter. C'est. Parce que ça se peut que. Elle décide de chercher plus loin. Ouais. Si tu veux savoir c'est qui t'attend, c'est super facile. Serre les mains de tout le monde dans le train. Serre tout le monde qui était là ce soir. Tu vas savoir c'est qui l'a volé. Bonne soirée. Si. Bonne soirée à toi aussi. Bon. On va faire une élection. Non, mais c'est fait que. Moi, en gros, c'est, je te conseille d'aller serrer la main de tout le personnel infirmier. Ça fait des mains dans le dos. Oui, ouais, t'as pas besoin de le serrer la main. Ah, juste un toucher. C'est comme, okay. Tu fais une bonne soirée. Genre, good job à soir. C'est ça. Tu vas savoir si c'est un ghoul. C'est ça. C'est un ghoul dans. Bon, penchez-vous, dans tu es 33. Check-moi. Oui. Ah, c'est ça, t'es comme, une ghoul. Pourquoi tu penses que j'ai choisi Salibéry comme pour un RPI? C'est ton BR? Moi, j'ai Valérie Hammer. Ok, c'est la même. Moi, j'ai la version guerrière des mêmes powers que toi. Et puis, il faut qu'elle serre dans toutes ses forces. Non, mais le premier marche la même chose. Le deuxième, toi, c'est le toucher du sommeil. T'as dans quelqu'un t'endormir. Moi, c'est un coup du lapin. Je lui donne un coup de poing et ça le marche. C'est le coup de poing du sommeil. Ok. Mais c'est, on a quelques powers qui se ressemblent. Mais le 3, c'est le même. Je guéris les blessures d'un autre, tu guéris les blessures d'un autre, c'est la même chose. Le 4 et le 5 sont différents. Fait que t'arrives au Manaware avec ton ami puis le prince. T'arrives là sur l'entrefait, il s'est fait une petite danse puis il s'assied. Ah, il arrive vraiment. Oh, ben tu sais, il a pas fait wow, il a regardé, il a tout fait, il a pas crié les yeux. J'ai un peu léché les mouleurs, puis je t'anime. Léché les mouleurs. Ça goûte la victoire. Genre, c'est comme dans le temps. C'est ça. C'est comme le manoir de Willy Wonka. C'est ça. Puis là, ben, le Jules s'assit. Le Jules. Ouais, je vais laisser les lèche-bottes avant. Moi, j'attends. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Ah non, oui. Il me semblait qu'il y avait d'autres. T'es le premier à arriver dans le nouveau manoir. Ah oui. Le monde va tout arriver après minuit un peu. Ok. T'es le privilégié. Fait que je te vois rentrer puis je fais. T'es le VIP. Maudit bel job. C'est pas pire, hein? Les entreprises Chapdelaine qui ont fait ça. Moi, j'ai gardé leur carte. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Une explosion, c'est si vite arrivé. Hein? Ah, ça va. C'est comme un incendie. Tu sais, on ne sait jamais quand est-ce que ça peut arriver. Tout ça. Passe une belle journée. Donc, est-ce que Dominique vient nous rejoindre ici? Dominique est en train de nettoyer à l'hôpital. En ce moment, il va revenir après. Ah, OK. Puis je vois que t'as amené Anouk. Ouais, c'est ma secrétaire maintenant, la partner. Ah, super ça. Est-ce que ton téléphone fonctionne bien, Anouk? Mm-hmm. C'est là. Tant mieux. Je suis bien contente. Mais c'est quand même. Anouk? Non, non, non. Elle n'a pas des missiles, là. Ça sera pas. C'est ça. Fait que pendant qu'il fait son Missy Hall, dans le fond, elle a dit. C'est peut-être moi qui appelle, je te. Je vais travailler avec. Le Missy Hall, Yana. Je vais travailler avec Michael. Il va m'engager, dans le fond, là, on va enquêter. Tu savais pas que t'avais des talents d'enquêteur? Ben oui, je suis quand même. J'ai pas l'air de ça, mais je suis quand même méchante. Elle dit ça. Ouais? Toujours, elle vient en. Quelque chose dans l'Halloween. Que l'hygiène en chaleur 4.
J'hésite à me dire, en effet, t'as pas l'air de ça ou juste fermer ma gueule. Mm. Là, tu la regardes avec un gros sourire. Self-control. OK. Ben, ça dépend. T'es rogue director. C'est... J'ai pas vraiment l'avantage à faire. Tu peux faire sa tente, ton bonhomme, il tend à aller vers ça. Dans il est de bonne humeur, là. Il y a un petit beau manoir, là. Mm. Ah, mais j'ai trois réussites. Fait que je le dis pas. C'est... C'est ça, là, c'est ça. Je veux pas la juger, mais tu sais, regarde, là, pas super bien. C'est pas tant d'avoir le jugement facile que de la juger, hein, tu sais. Tu sais que déguisé. Fait que moi, d'abord, pour loger le malaise. Peut-être journaliste pour aller aux polices, là. Je me penche sur mon téléphone, puis je texte Dominique pour savoir dans combien de temps il va être là. OK. Ça me prend peut-être. Puis je texte aussi Elinor pour savoir dans combien de temps il va être là. OK. La que réponse de Dominique, genre, il nous en reste pour à peu près 2 heures. Oh, God. Mais moi, je suis partie. C'est dégueulasse. J'attends juste d'arriver, là, dans le fond, parce que. Non, ben. J'ai parlé un peu avec Zénon, puis Isaïd. Tu vas arriver comme. Pas longtemps après lui. Mais dans le fond, c'est Dominique qui a l'info. C'est pas vraiment Mickaël. Il va juste pas me décrire le truc, mais c'est Dominique qui a analysé. Fait que je demande à Dominique s'il peut faire genre. Si on peut faire un FaceTime. OK, ouais, je peux prendre un petit 5 minutes. Ouais, cool. Pardon, Mickaël. Avec moi, je réponds. Pourquoi parles-tu de moi? Je te réponds beaucoup trop. Tu as fait ça. Je suis pas de mère, je te le dis. Ils m'ont en esti, mon manoir. Redonne le cellulaire au prince à cet instant. Quoi? Redonne le cellulaire au prince à cet instant, qui que tu sois. Genre, elle fait un print screen, genre. Juste comme. Avec pour m'endormir le soir. J'ai plus besoin. T'as plus besoin de t'endormir le soir? Ben, le matin. Plus besoin de toi. Charles, tu vas avoir un appel, toi. Non, t'as besoin de moi. Ok. C'est I know appelle. You do. Ah, mais j'ai encore pas. Ah, t'es encore là? Ah, ok. Mais, trust me, you do need me. Il y a comme il y a un gars qui est venu parler, ça a l'air, durant la journée, j'ai envoyé ça comme info. Ça a l'air que l'explosion va réouvrir. Ah, oh, souvent, on n'a pas entendu ça. Ça va réouvrir le 10. C'est quoi ta position là-dessus? Ben, il me demande qui réouvre ça. Ok, t'es pas d'un brûlé. Il est beau. Ouais, ça a l'air que l'explosion va réouvrir. Et après, est-ce que ça allait péter? Ça va encore, ça fait l'explosion. L'explosion 2. L'explosion, là. L'explosion again. L'explosion 2. <Non. rire> Là, dans le fond, c'est-tu assez subtil juste avec lui dans un coin quand même tranquille? Ben, tu peux, là. Ok. Mais regarde, j'arrête pas de parler, je sais pas comment tu vas voir ça. Mm-hmm. Je vais savoir ce que t'en penses. Moi, la personne que j'ai rencontrée tantôt, c'est un journaliste. Moi, je pensais en faire, c'est un peu comme un goul pour travailler avec nous, pour justement camoufler les choses. Là. Ok, ouais, c'est toujours bon, là. Ok, fait que t'es d'accord avec ce point de vue-là. Ouais, je m'assume pas que ça, je veux dire, j'ai pas de trouble avec ça. Est-ce que tu pourrais m'aider à ce moment-là, la prochaine fois que je vais le rencontrer, on s'arrange un peu avant, puis tu y amènes de mon sang dans un bravage, quelque chose, puis... Pas de problème. On fait ça bien subtil, puis... Pas de trouble. C'est pour le bien de la mascarade. Oh ouais, c'est toujours bon d'avoir des journalistes dans sa poche. Excellent. T'as pas l'air à garçon pis sa gang. Cool. Mmh. Fait que pour... T'es-tu quelqu'un qui est quand même plugué pour les informations? J'entends ce que j'entends ici, là, ce qu'on entend des bords. Ok, t'as-tu un contact pour dans le business ou pour avoir plus d'infos là-dessus? Ou... Ben, quand j'avais mon bord, un petit peu plus, mais pas tant. C'est comme ça. Je vais t'en parler tantôt. T'as déjà? Okay, ça sonnait comme ça. I know this pain. Fait que. C'est ça. Fait que là, histoire courte. C'est ça, il dit quand j'avais mon bar, je faisais plus de monde. Pas juste que la clientèle me suit. Là, je revois une couple d'habitués, puis. Chose, là. Fait j'ai une couple de.
Moi, je me dis, si tu veux de l'info, tu choisis si t'es vieux. Parce que les autres, souvent, ils écoutent tout. Il y en a qui c'est plate, là, tout le temps. Moi, je me suis spécialisé dans les vieilles boules. C'est pas des petits vieux. Donc, ils tiennent au centre d'achat, au marché centre, puis ils font des bonnes infos. Sauf que des fois, c'est de la style histoire. Ok. Fait que. Ben, dans le fond, le jour ici, tu fais quoi, dans le fond? Au baron? Ben, moi, je suis pas là le jour. Ok. Mais, je veux dire. T'es... C'est quoi, dans le fond, comment ça se passe la business? Qu'est-ce qui se passe quand c'est le jour? Ben, le jour, moi, je suis pas là, puis le monde, mes gars ramassent d'info, puis ils passent une texte, une email. Ok. Fait que j'ai une couple d'infos, là, mais là, c'est assis, c'est. Mais je sais qu'il y avait comme une nouvelle arrivante, là, qui parlait de faire un projet comme. Dans l'alimentaire, puis tout. Je sais pas si ça t'intéresserait, là, dans le fond. Je sais pas trop c'est quoi son idée, mais sa okay, carte. Je vais t'en faire un contact avec pour voir. Okay, ça peut être un projet qui peut être intéressé. Ben, dans l'alimentaire, dans le sens de. Ah, mais on n'a pas trop parlé. On fait de l'air de vouloir créer comme quelque chose de nouveau genre dans la bouffe. Là. Ben, tu veux-tu avoir quelque chose de nouveau genre dans la bouffe dans ton resto, dans ton bar? Ben, si ça peut être intéressant, moi ce que je veux, c'est comme peut-être investir dans sa business, on va voir. Ah. Ok, ben regarde, de quoi... Genre, dis si t'es game, pis dis-moi si ça a l'air d'un projet intéressant, on en reparle. Good, 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 mais là t'as pas plus d'infos que ça. Non, mais je donne l'info. Qui veut faire de la bouffe. Ah, je donne... tabarnak à TV, là. Je donne l'info, c'est la vampire... Suzy. Ah, ok. C'est bon. Je vais réussir. C'est dis-là que c'est moi qui t'ai plugé avec, là, on va voir. Là, dans le fond, j'y ai parlé de potentiel intérêt, ça va pas. Good, je vais essayer de contacter. La contacter, j'ai dit que tu serais prête à marcher là-dedans. Dépendamment, c'est quoi son idée? C'est bon. À l'église à Rosette, c'est du True Faith 5, True Faith 4, c'est que t'es pas sensible à présent. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, si ça l'intéresse peut-être de partir comme ici, puis peut-être aller mettre son. Pour les tuer. Son truc à elle, après, c'est faisable. C'est ça. Bon, regarde, on va contacter, on va comme les convaincre. Parfait. Fait que, Mikhail? Yes. Tu étais comme au bout de José Glavin. Ouais. Ok. C'est ça. Tu vois, à nous, dans le fond, pendant que tu étais un peu en train de. Ben, il va. Texto, c'est ça? Elle lui expliquait qu'elle travaillerait avec toi. Ouais, cool. Puis on a fait un peu de small talk. Puis c'est comme ça. Puis là, pendant ce temps-là, moi, j'ai écrit à Dominique pour savoir il y en avait pour combien de temps à torcher la chambre d'hôpital. Puis il m'a répondu 2 heures, ce qui m'a fait faire cette face-là. Fait que j'ai dit, on peut se faire un FaceTime? Puis il m'a dit, ouais, c'est bon. Ouais. Fait que. Puis toi, t'es. Non, en plus, il est là. J'arrive là. Okay. Okay. Non, on est dans une salle privée. Je dis à Dominique, j'appelle dans 5-10 minutes, genre, le temps qu'elle arrive et bon. Qu'on la débrief. Je vais aller laver. Okay. T'arrives. Allô, Jules. Ça va maintenant? Comment vas-tu? Ça va. Passez une très belle nuit. Excellent, excellent. Donc, le sujet qui nous intéresse. Oui. Va à ce sujet aussi, si tu veux. Mickaël, tu peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé là-bas? J'ai comme pas tout compris malgré que j'ai vu de mes yeux vus. Yes. J'ai été appelé hier avant notre rencontre pour aller calmer un. Aller faire une investigation à l'hôpital par rapport à un cas d'une personne qui était trop forte pour un corps humain qui faisait des sauts d'un bout à l'autre de la pièce et tout, qui était supposément dépressif, mais très 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 fort. Il fallait qu'on le maîtrise de force. On l'a calmé, il s'est endormi. Le lendemain matin, suicide. Officiellement, c'est un suicide. Pour vrai, c'est une créature qui a sorti par la bouche puis qui l'a ouvert. Par le Par le vent. Comme dans quel genre? Il l'a ouvert comme un ficello dans le fond. Il avait-tu mangé du spaghetti? Non, ok. C'est ça, c'est... Il a fait-tu manger? Dans la bouffe d'hôpital, c'est tellement dégueulasse. C'est ça, le spaghetti, je comprends qu'il ait voulu se suicider. C'est quoi ce genre de... Par exemple, c'est que c'est une créature qui est sortie, qui n'a pas pris forme physique. Ça, c'est Dominique qui va pouvoir confirmer, qui l'a vu.
ça se promène par la tache de sang. OK. Puis la personne qui est morte, c'était un humain ou c'était un vampire? C'était un humain. C'était même pas une boule, c'était un humain. Okay. Il a écrit des symboles sataniques. Je montre les photos, il a écrit des symboles sataniques, tout plein. Donc, tu j'ai un. Je vais faire un jeu d'intellectuel. Intellectuel, difficulté. Moi aussi. Ouais. Moi aussi ou. Si t'as de l'occulte. Difficulté 8, ouais. J'ai une réussite. T'en as pas. J'ai 7, 7, 6, 10. Si tu vois que c'est des symboles démoniaques, là. Ok. Si j'ai pas d'occulte, je sais c'est smart. Pour. Fait que je vais lui dire, tu sais, je vais lui montrer les symboles que moi j'ai décodés avec mes deux succès. Ça, pis ça, c'est pour briser un sceau. C'est quand même savoir si ça peut se rouler. Mais. Non, pour. C'est rudimentaire, pis il a fait ça en s'arrachant de la peau du cou, hein, pis en peinturant avec son nez. Les... Très créatif, là-dessus. Il voulait vraiment. Ben, ça moi, ce que là, je suis je vais essayer de trouver. Lui, il était militaire pour dépression. Il faut penser à quelque chose comme ça. Parce qu'il a été laissé par son ex. Jules m'a parlé. On va aller voir si l'ex est lié à un culte ou quoi que ce soit. Bonne idée. Je suis rendu là. Okay. Il religieux de notre bord avant d'être pris la guerre. J'imagine que tu vas probablement pas être capable de la crasser le matin. Tu sais pas, c'est relatif. Ouais, je suis capable d'avoir accès au dossier médical. Okay. Fait que je peux voir où est-ce que la conjointe est. Mais on peut-tu faire? Mais c'est pas des religieux. On peut probablement pas avoir de contact. En ville, c'est des religieux. Ouais, on parlait plus. Ramener, qui ça vient, c'est des chasseurs. Des chasseurs. On pensait plus sur les lieux de. Où je peux l'interroger sur de l'église Saint-Germain. Ah, ok. Attirer quelqu'un. Le quoi, c'est. L'archevêque. Ben, écoute, je. Dépendamment de ce que tu trouves, peut-être, dans le dossier avant de la contacter. Puis, si c'est trop louche, peut-être qu'on s'organisera pour l'avoir ici plutôt que sur place. Puis sinon, ben, si c'est pas grand-chose puis que t'as besoin de creuser plus, ça, c'est peut-être pas nécessaire de l'amener ici. Là. Aussi. Oui. Là, il y a une fouille merde. Une troisième? Là, qu'est-ce que tu veux dire, une fouille merde? Il y a des gens qui. Il y a une personne qui met son nez dans. Où est-ce qu'elle veut pas? Et c'est un vampire non déclaré. C'est un vampire qui ne s'est pas encore présent. Ouais, ça, il y en a beaucoup, il faut que je règle ça. Moi, je te conseille de faire un appel pour être sûr. Il y a une journaliste. Du nom de Lorraine. OK. Ben, comme je te dis, il y en a plein qui sont pas venus. Elle devrait venir se présenter. Ouais. Ben, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse le meeting de clan, l'élection des primogènes, parce qu'il y a plein de gens qui ont pas reçu le message comme quoi il y avait un frein à 7-7-5. Il y en a qui viennent pas par choix aussi. Ouais, mais à partir du moment où les gens primogènes... qui l'ont pas reçu, j'arrive de Québec, je suis rentré sur le territoire, puis j'avais le message. Ben, il y en a qui l'ont ignoré, mais à partir du moment où il y a des primogènes qui les avisent, s'ils l'ignorent, il n'y a plus vraiment de bonne volonté. Ça prendrait un bon scorch pour ça. Ouais, c'est ça. Hein? Un bon scorch. Ben, ouais. C'est qui dit ça, là? Ben, il dit ça. Prendrait un bon scorch. Non, mais c'est-tu quelqu'un qui est là qui dit ça? Ah, ok, dommage. Non. C'est un mal Kevin qui parle, des fois ça parle. Je sais pas comment. Mais bref, ouais, je suis au courant que ça m'a beaucoup de vampires qui sont pas venus se présenter à moi. Il va falloir remédier à ça. Mais, ça, c'est la job de votre shérif. C'est la job de mon shérif, ouais. De s'assurer que les gens respectent la loi. C'est ça. Non, le Scourge, okay. C'est le marteau. C'est l'assassin. Okay. Le Scourge n'a pas besoin d'avoir. Il peut tuer sans en avoir à rapporter au prince. Sauf Camille, parce que Camille a eu une instruction précise. Il y a l'essence du kill. Le Scourge, de base, le Scourge... Alors moi, je vais être shérif. Normalement, personne ne sait qui est le Scourge, parce que c'est celui qui a le permis de tuer. C'est l'agent secret de la carte. OK, moi, ça m'intéresse. Le shérif, c'est celui qui s'assure que la loi est respectée. Il a le droit de tuer s'il enfreint une des lois, puis que la punition que le prince a mis pour cette loi-là est la mort. Fait qu'il a le droit de tuer, mais juste en fonction de la loi. Il n'y a pas plus prince. Le droit de diaboliser, là, on s'entend. Non. Il tue.
Il s'en débarrasse. Burn. Oui, c'est ça. Tu burn ou tu l'amènes au prince. Si tu l'amènes au prince, le prince, après ça, peut décider blood hunt sur la personne. Si tu casses un blood, si tu calls un blood hunt, tu peux faire ce que tu veux avec. La diablerie est même permis. Oui, à ce moment-là. Faut que tu la fasses devant le prince. Faut que tu la fasses devant le prince. Pour que le prince puisse témoigner comme quoi que tu as fait la diablerie sous blood hunt. Fait que même si personne ne peut t'en tenir rigueur parce que c'était avec approbation que tu l'as fait. OK, fait que dans le fond, tu dis qu'il y a Lorraine qui est un vampire qui ne s'est pas présenté à moi, puis qui était fort probablement au courant. Elle était déjà au courant de ce qu'il y avait eu un mort, puis qu'il y avait eu beaucoup de sang. Fait qu'elle est très au courant, anyways. Ouais. T'as-tu son contact? Je suis capable de voir ça. Il me regarde comme quelqu'un qui va me demander quelque chose, là. Oh, shit! Ben, il est là, tu check, check, check. Tu m'en dois en estime, monsieur. Moi, je veux un local pour pouvoir m'installer. Installer ma business. Deal done. Dis donc. Son numéro de téléphone, c'est... Voici le journal qu'elle travaille. Toute la pute, genre. Son adresse. Voilà. Ça marche pas. OK. J'ai quelque chose à dire. Ouais. Là, enfin, je vais te texter que j'aurai besoin de la personne. Tu m'as parlé hors-game ou in-game que... Parce qu'on va faire tout si des pour avoir option en... OK, tu m'en parles-tu? Mais pas là, là pas devant lui. Mais de toute façon, là, il y a Dominique et on est censé parler, là. Fait que, mettons, j'appelle Dominique en FaceTime. Hey, salut! Non, on va se faire un... J'ai un trépied parce que tout est majestueux dans mon Elysium. On a un trépied. C'est ça. Ok, je vais juste. Ben, si vous avez plus besoin de laisser. Non, mais si tu veux, Dominique va nous donner plus d'informations. Je suis avec Dominique sur FaceTime. Mais à moins que tu aies déjà toute l'info, là. Ben, au pire, si j'ai quelque chose que Dominique m'a pas briefé, juste me recontacter. Je vais aller m'assurer qu'il n'y a pas de meeting à la cathédrale ce soir. Oui. Puis après ça, je m'occupe de notre chère veuve éplorée. De quoi? La veuve éplorée. Okay, la veuve. Oh oui, la veuve! Oui, la veuve! Ok, parfait. moi, je texte à ça. Okay. À la cathédrale, s'il y a quelque chose qui se passe de louche, texte-moi à ça, puis je vais essayer de ramasser du monde pour aller voir si on a besoin de plus de ressources, quelque chose. Non, c'est bon. Good. Tu vas avoir une audience avec ce nom cette nuit. Juste non. Le cardinal. Mais en fait, j'ai une idée, mais je vais en parler à des gens mieux avisés. Tu vas avoir une audience. Je te reviendrai avec ça. Cette nuit. Puis j'ai dit, ah, by the way, je suis rapide. Par rapport à ça, les. La deuxième chose que je veux dire, c'est pas non. Eux autres, tu connais-tu une façon de s'en débarrasser? J'aimerais vraiment ça m'en débarrasser. Tu peux venir justement au manoir, ça va être là qu'ils vont venir se présenter. Ouais, mais c'est des humains spéciaux quand même. Oui, mais une balle. OK. Fait que on a juste à les faire sortir de leur trou à rat. Puis on a quelque chose à faire. C'est juste que tant qu'ils sont dans leur trou à rat, on peut rien faire. On peut pas se présenter, mais c'est sûr que tout dépend des ressources que vous avez. Oh! On va trouver quelque chose! Ça reste un building. Oui, oui, oui! Je vais avoir une bonne idée! Dis, moi, c'est pas de ma faute, une église là, tu sais! Mais j'ai une question pour vous. Est-ce que vous étiez au courant que plusieurs vampires s'arment jusqu'aux dents en ce moment? J'imagine, oui. C'est comme légèrement collé une honte. Même avant ça. Avant ça? Oui, tu parles des ducs du Richelieu? Il y a beaucoup de monde qui... Il y a la demande d'armes à feu a triplé dans les trois dernières semaines. Puis, tu sais ça comment? Ça, par exemple, je suis amené, ça. Non, mais dans le sens que... Pourquoi... J'ai juste validé comme la véracité. Je veux pas que tu me donnes tes sources. Je veux juste savoir comme tu tiens ça de quelqu'un qui vend des armes ou tu tiens ça de quelqu'un qui te dit ça? Je tiens ça de quelqu'un qui est capable de fournir ce que vous avez besoin quand vous en avez besoin. C'est drôle, j'ai quand même beaucoup de contacts dans les armes. Personne ne m'a dit ça.
Beaucoup de gens qui, je sais pas encore qui, mais beaucoup de gens qui s'arment. Ah, ben, pas du cam Drummond. Et ce n'est pas du... C'est pas de la cam. C'est pas du petit calibre. Est-ce que moi, là, pendant que je l'écoute, je peux écouter... Ou c'est les sabbats. Si vous connaissez la même personne que moi, tu dis la vérité, comment qu'il le filme. Il trouve ça louche, très louche. Mais je te dirais que c'est normal, c'est une période de changement, c'est sûr que les gens vont vouloir tirer la couverture de leur côté. Disons qu'il y a beaucoup plus de réussite en circulation en ce moment. Elles vont. C'est ce qui est déclaré dans les registres. Tu bullshit pas, toi, tu dis. Je suis convaincu que c'est le cas. Ah, c'est vrai que tu bullshit pas. Non, je bullshit pas. Fait que toi, tu voulais comme moi. Ah non, je bullshit pas. J'ai même pas fait de jeu. Je sais que tu bullshit. Mais je travaille sur ma question. C'est moi qui l'ai fait en l'écoutant. Oui, c'est bien. Ouais, avec elle. Non, non, j'essaie de voir si justement avec le monde sont au courant. Justement, il y a beaucoup d'armes à feu. Quel est le militaire qui commence à être en cette place? Ouais. Fait qu'il y a des gens qui savent, puis c'est pas des gens qui se sont présentés. Ça. Ouais. Fait que, c'est parce qu'ils savent pas nécessairement qu'est-ce qu'on a de notre bord non plus. Parce qu'une des raisons pourquoi j'ai nommé Grégory shérif, c'est son stock d'armes. Ça fait plus que 3 semaines qu'ils l'ont acheté. En tout cas, bref, je laisse aller à ton occupation. À moins que tu veuilles rester pour une conversation avec Dominique. Non, la nuit est courte. La nuit est courte. On est et pleine de terreur. C'est tout des mêmes. On n'est pas nous autres sur une joke de Dieu du feu, là. Non, c'est ça, c'est pas. The night is dark, so the night is short and full of terrors. fait que tu FaceTime Doom? À moins qu'elle FaceTime là puis que je sois requis, sinon. Ben, je le FaceTime là. Tu restes. Je vais juste attendre voir, puis si je vois que c'est les mêmes informations, je vais m'en aller. D'accord. Allô, Doom? C'est qui Doom? Oh! C'est qui Doom? C'est le gars qui mange le chip. C'est le même là. Celui qui fait comme. Ah oui, ok. C'est lui qui flashe les yeux. Regarde la lumière. À l'origine, c'est lui qui l'a venu à Saint-Hyacinthe, puis c'est, il est plus sous mes services avant. C'est pas qu'il est plus sous tes services. Donc, pardon. Bon. Okay. Agdoum! Quoi ça ressemble là-bas? Ben. Ce sera pas long. J'ai la bouche pleine. Je viens de le croquer, pour être venu à 8e. Sacrement. Ben, fait qu'il en reste pas vrai une heure et demie ici. Pour le nettoyage, présentement, il n'y a personne sur l'étage qui sait ce qui s'est passé. Tout le monde pense que c'est un suicide. Et on a tout passé ça, on a fait oublier le monde. Ceux qui n'étaient pas au 11e savent même pas que c'est passé de quoi au 11e. Là. OK. Fait qu'il y a que les infirmiers là qui le savent. Puis les seuls qu'on n'a pas touché dans le fond, c'est la propriétaire, puis le salubri. Que j'ai rencontré hier. En fait, il sait pas que le salubri. Mais moi, l'infirmier... Yena, que j'ai rencontré hier. Parfait. Puis sinon, sur ce qui a causé ça, est-ce que tu as des informations? Ben, comme moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est ça. C'est un démon ou quelque chose comme ça qui serait sorti de la personne. Et c'est comme... matérialiser quelques secondes, j'ai l'impression que ça concorde avec le temps que la caméra a lâché. OK. Puis, il a comme sauté dans la flaque de sang, parce qu'il était comme fantôme. Puis là, il a disparu, puis là, la caméra est comme repartie après ça. Fait que le temps que le démon a eu une emprise sur le monde réel, là, que toute la caméra a défaillé, le gars, il est mort, c'est sûr. OK. Puis, est-ce qu'on sait comment il a eu accès, le démon, à ça? Non, j'ai pas pu voir ça. C'est Michael qui parlait de symboles sur le mur, je pense. Ouais, puis il y a le monde. Hein. Ça aurait pu être une incantation ou...
Ben, de ce que je sais, c'est des symboles démoniaques. Fait, le gars, comment ça qu'il les a fait? Peut-être parce que c'est pas lui qui les a fait. Il s'est fait faire, là. OK. Quelqu'un lui a fait faire un ça. Un rituel, genre? Ouais, ben, je veux dire, le gars, il se contrôlait pas. Fait que sûrement qu'il a fait ça pour le compte de quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est-tu le démon qui a fait faire ça pour essayer de se sortir de là? OK. Fait qu'avant ça, probablement que le gars était possédé. Quand il est rentré à l'hôpital, il était probablement possédé. Mmh. Ben, puis... j'ai eu une histoire qui était plus fort, plus rapide, là. Bon, ben, probablement qu'il était possédé, là. OK. Puis, avec qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on a une idée du... Y a-t-il un type de démon qu'on pourrait orienter les recherches? Ça prendrait des spécialistes. S'il y a des gens qui font ça en ce moment, ben, probablement qu'ils vont le refaire. Probablement, parce que là, de ce que je comprends, ils essaient de manifester un démon. Fait qu'il faudrait trouver, y'a-t-il quelqu'un qui scannait un démon dans le coin? C'est pas tellement notre bail, là. Je sais pas, moi j'ai jamais entendu parler d'histoire comme ça dans le coin. Fait que je sais pas si ça s'est déjà arrivé, là. Ok. Ça, je l'ai pas dit. Quoi? Que ça s'est déjà passé en 1900, que... Non. Il m'a tout envoyé les infos, mais j'ai pas ça, j'ai gardé ça pour moi tant que j'ai pas plus de détails. Pendant la discussion, là, tu vois, il y a comme un. Un vieux. Non, même pas, tu vois pas lui, c'est pas ça partout. C'est Zélon qui arrive. Oh. Dans le FaceTime? Non, mais tu sais, par la porte. Allô! Non, mais. He's a fast learner, non, dude! Il arrive dans ton manoir. Ah, à l'Elysium. Il arrive à l'Elysium avec Isaïe, genre. Justement. Ils ont plein de ressources. C'est comme un heure et quelques, puis eux autres, ils arrivent. Peut-être tu le vois du coin de l'œil qui arrive. Ok. Bon, mais je dis à Dominique. Parfait, fait que je te laisse finir le travail, puis s'il y a de quoi d'autre, rappelle-nous. C'est bon, la date, ça va bien. Cool. Donc, c'est tout. T'as avais toutes tes informations là-dessus aussi. C'est excellent. Fait que je te laisse vaquer à tes occupations, puis pour ton local, je t'arrange ça dans les prochains jours. T'as-tu un quartier de préférence? Je suis fine de même. T'as pas de la ville. Wow, ok. Ça va être facile. C'est pas cher les loyers là-bas. Okay. Tu vas avoir le meilleur local que tu auras jamais eu. Que tu puisses avoir dans le bordel. Mon private investigator private. Mon private investigator investigate. Privately. Privately. Fait que c'est ça, puis sur ça, sinon ils aident Gary avec tout le monde. Moi, je vais quitter. Ça, je vais l'avoir texté, vu que j'ai besoin de l'adresse de la demoiselle. Ok. Moi, je suis là-dessus, ouais. Fait son bout. Fait que là, dans le fond, c'est l'information sur la base. Première chose que je fais, c'est ça. C'est que je check dans les dossiers pour avoir le nom et l'adresse. Ben, je sais pas si, quand il est arrivé, il était assez lucide pour avoir dit « ma blonde, elle s'appelait tant ». Ben, dans son dossier médical, il doit être encore. Dans son dossier, tu vois que tu peux y accéder. Puis il y a le nom, il y a l'adresse, il y a tout un peu, c'est une photo d'elle. OK. Fait que tu vois que c'est une fille bien normale. Là. Mais j'ai son... Pas trop, tu peux aller cogner chez eux. Là. OK, bon ben, non, mais... non. Non, mais je vais quand même prendre une photo avec mon cellulaire et lui envoyer ça. Fait que à peu près comme 5-10 minutes après, tu reçois photo. Vraiment comme belle qualité, il faut que tu l'agrandisses. Je sais pas comment. Ensuite de ça, oui. Sinon, j'aurais pas les moi, je vais. En fait, je vais aller sur l'étage, juste aller parler aux gens qui travaillaient. C'est sûr, ça les a justement pour savoir comment. Mais ouais, juste comme, ouais, ça va bien. Parce que si j'avais des parties, puis les contraintes... Okay. Mais c'est uniquement pour savoir comme lequel ouais, ça vous aiderait. Tu sais, dans le fond, ton caractère comme pas, ça, moi, j'avais juste le monde, comme... ils sont pas trop astineux, tu sais, tu veux parler, tu veux tous l'épaule. Je sais pas à quel point c'est possible. Je vis peut-être dans un groupe de filles, mais comme il y a des démons... Non, c'est vrai, il y a pas de goule. On préfère un lien. Il n'y a pas de goule, il n'y a pas rien, il n'y a rien. Il n'y a pas de other non plus. Non, il n'y a pas de other. Même pas. Écoutez, c'est des démons. Si tu fais ça, tu vas faire la même affaire que quand tu allais parler au troll. La directrice, ben, pas glorifiée. Mais, c'est juste ton allié, ton contact, mais pas glorifiée. Est-ce qu'un démon peut. Tu vois, comme le monde sont tous. À quoi? Au vampire. Normal.
Ok. J'imagine que oui, mais en même temps, je pourrais. Le démon va faire pire que ça. Là, pour son temps, c'est pas grave. Juste attaquer, c'est un autre. Ouais. Mais c'est parce que je pourrais... Ça, c'était le personnel d'infirmiers, infirmières... Des agents de sécurité, peut-être? Même chose, mais le monde sont pas mal tôt, vraiment. Si t'as beaucoup de réussite, t'as dit ça... Ouais, j'ai tué les maladies... Puis qu'on serait prêts à mettre nos formes en commun... Disease... Dommage, le target blood pool... Mais je te dirais que même si t'aurais genre 5 réussites, il y a rien qui ressort du loup. Le monde sont bien normal, ils ont tué. Quand tu sais qu'il y a des maladies, c'est quoi dans ton chien? Mais d'après moi, ils ont fait la même, mais dans le World of Darkness, il n'y a pas personne de possédé, il n'y a pas de order. Il y a des loups-garous qui sont amis avec des... Puis dans les visiteurs qui reviendraient, pourquoi que non, il n'y a pas de visiteurs amis. Surtout qu'il y a en plus, ils étaient en isolé. C'est ça, on dit. C'est comme l'Inquisition, dans le fond, tu sais. OK, ben... Ça, je suis pas mal perplexe, mais je vais y texter pareil. Tu sais, je pourrais leur apporter comme... sur un plateau d'argent. J'ai vraiment fait le tour. J'en ai pas trouvé. Aussi. Je te dis pas quoi, mais je suis en train de te dire, j'en ai pas trouvé. Toi, ils évitent la guerre avec nous. Puis deux, ben, ils dirigent leur combat contre les démons. OK. Ouais. Ça va être... Mais j'avoue que la directrice a dit, c'est une bonne idée. Mais c'est parce que tu sais, quand mais dans les congés, c'est assis, je vois que ça va être pas mal. Et j'ai dit, si moi, il m'arrête, s'il y a quoi de spécial, je peux tout de suite te recaler. Mais si tu as le goût de. Tu sais, quitte, ça marche pas. J'ai un plan B, puis je décalisse. J'ai un plan B, mais t'es tout le temps chez toi. J'ai tout l'été, puis j'ai vol d'oiseau qui va être quand même. J'ai jamais fin de semaine pareil. Mais regarde, j'ai besoin de travailler, non, oui, dans les états il faut que je paye mon loyer. Non, non, mais dis, je te paye, t'as ce moment. Va prendre ça, je veux dire. Tu sais, je sais que t'as un cœur sensible, puis que t'as le. Ah, je sais, mais j'aime ma job, puis j'aime les patients aussi. Mais regarde, si jamais il y a de quoi, je vais. Je sais, tu peux rien prendre de. Mais si jamais, je vais. Il arrive de quoi, je prendrai off. Ok, non, mais je veux, si tu veux peut-être avoir un congé, je veux justement qu'il y a de l'action, puis s'il se passe de quoi, je vais te dire. Mais, ouais, Lucie, je suis encore inquiet de savoir c'est qui aurait parlé à la journaliste. Si jamais tu as des nouvelles à propos de ça, là. Je vais porter attention, là, parce que... J'ai été l'interview, ça a bien été. Elle a plus mon histoire, ça va bien. Tu soupçonnes genre une fuite, une chose, quelque chose? Je pense que oui, mais j'ai aucune idée, ce serait qui. Okay, je vais essayer de porter attention aussi. Ok. Je vais essayer si quelqu'un en parle, parce que de base, là. Si j'ai bien compris, tout le monde s'en souvient. If you can and government and these agencies, secret societies and criminal organizations also deal at barrages the vaults of death and hostility with the children. Il y a une partie dans le fond. 40, empathie, 3, fait que 7. Salut! J'ai besoin de. Ok. Il y a des 6 et plus. Oh shit. Mais dans le fond, c'est 1 à 2 réussites. Ben j'ai 1. Dans le fond, tu remarques comme. Elle, il y a de l'aide du maquis aussi, des brides de l'histoire. Elle sait que c'est passé de quoi. Mais tu penses que Dominique a fait un petit job dessus aussi. Des exercices, fait qu'on se demande à quel point ils vont voir ça comme une plus grosse menace que nous. Parce qu'elle t'en parle, ouais. Des fois elle dit, mais tu sais, je sais pas exactement ce qui s'est passé, là, mais tu sais, tu vois comme qu'il y en a. C'est-tu un état, ça? Ben, tu sais qu'il y a une ordre, c'est pas pareil. Ben, c'est que dans le fond, tu sais, ça prend une discipline de ça. Tu peux pas y aller, parce que c'est juste couché à ce puis probablement que mon presence, okay. Il va rien faire. Moi, j'aurais pas moyen de y laisser avec OBA3. Premièrement, ça serait pour la protéger. OBA4. OK, bon, mais non. Fait que tu sais, c'est ça, elle t'en reparle, mais tu vois qu'il y a des choses qu'elle sait plus qu'elle savait. Fait que ça peut te mettre un petit doute. Ça met un doute sur toi au niveau de Dominique. Here comes Men in Black. Ouais. Just now, getting the job. Ouais, en fait, je vais peut-être. J'irai pas le voir directement, mais je vais peut-être juste passer devant, voir qu'est-ce qu'il fait de temps en temps. Dominique. Dominique, ben tu sais, il doit être ça, il est avec. Je pense qu'il y a deux autres gars.
il y a Martin et Mario, puis là, ils sont en train de tout nettoyer ça. Ils font, tu sais, ils font une bonne job, là. Puis là, tu sais, dans le fond, toi, le temps que tu touches tout le monde, tu essaies de prendre toutes tes infos, ils finissent leur job, ils partent de là, c'est bien beau, c'est impeccable, puis ils s'en vont. Ils serrent la main à la directrice, ils disent « Bon, on se revoit. » Ils s'en vont les trois ensemble, dans un camion nettoyage Chapdelaine. Chapdelaine fait tout. Chapdelaine, son sac coche. C'est ça. Très bien. C'est ça le dire, là. C'est ça. Les boss. C'est pas Chapdelaine. Je vais t'engager pour ton écart, hein, toi. Ça va être malade. Je vais t'engager pour vraiment discret, là. Non. Mais après qu'il soit parti, ouais, je vais peut-être lui texter en disant comme j'ai des doutes sur les intentions réelles de Dominique et de son équipe. J'ai l'impression qu'ils veulent cacher quelque chose qu'ils nous ont pas dit. Merci, fait que vous autres, il y a Zénon hein, qui est arrivé. Oui! Puis toi, t'es pas là! Je l'ai écrit, mais je me dirige vers la porte. Je vais le montrer. Moi, j'ai testé à Arthur. Là? Attends, tu peux. C'est... Tu m'as texté. Un, okay. Un petit texte, c'est pendant que ça venait. Je vais lui montrer subtil. Fait que moi, je me lève, puis je m'en vais accueillir Isaïd, puis Zénon. Parce que j'étais resté assis comme un boss. Ouais, je crois. Fait que tu t'inquiètes dans l'histoire. Dans son trône avec des épées. Je vais écrire ça dans les notes. Je veux savoir. Hey, là, attends, là, ça presse pas. Ça va peut-être pas s'asseoir, on va voir. Anonyme ou c'est pas anonyme? Prénom. C'est quoi ce doute-là? Ça va être drôle. Oui, ça va. Fait que, ok. Fait que tu fais ça, là, tout arrive. Parce que toi, tu t'en allais au manoir. Ouais. Ouais, c'est moi qui ai texté. Ok. Fait que là, tout arrive, là, Zénon y arrive, tout va arriver après. C'est ça? Parfait. Là, tu comprends ce qui se passe dans la gueule. Non, mais j'étais là depuis... Mais toi, t'es là, c'est ça. Toi, t'es là. Toi, il n'y a pas de problème, t'es là... Toi, t'es-tu là? Non. Fait que là, toi, t'es là. Y'a-tu d'autres qui sont là? Moi, je suis là. Toi, t'es là, c'est chez nous. C'est chez nous. C'est chez nous, c'est beau, en Christ. C'est beau, en Christ. Il est majestueux. En chérie, tu cliques des yeux, faut que tu fasses un jet. J'en pourrais, ok, go. C'est tellement beau. Je me retourne, je crois. Chapdelaine. C'est fucking beau pour une maman. Fait que. Okay. T'es là, tu sais quoi? Ben non, mais là, elle a accueilli Zénon. Ok, c'est ça. Bon. Zénon et Isaïd sont là. Vous allez vers eux, d'accord. Bonjour. Hello. Salut. Comment se passe l'adaptation jusqu'à maintenant? C'est plus facile que je l'ai cru, là. Ah oui, Sébastien là aussi. Qui l'a cru? Qui l'a cru? Ben, tu sais, j'en ai manqué des grands bouts. Quand même, hein? Mais je comprends assez rapidement, puis Isaïd. Il explique bien aussi, en fait, ce sont deux, puis c'est des gens qui ont vécu mon temps, fait qu'ils savent un peu quand même me replacer, tu sais. Ils m'expliquent que les chars, ben ça s'appelle des chars, mais il y a plus de chaud, tu sais, des gens qui ça. Fait qu'ils réussissent à me faire comprendre assez rapidement, puis c'est pour me vanter, mais je suis intelligent. C'est vrai, pour reconnaître ses mérites. Bon. Bon. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Passons au sujet. Qu'est-ce qui vous amène dans mon magnifique manoir, j'ai? Ah, mais là, c'est Isaïd qui dit... on voulait... Ton copain Arthur voulait parler à Zénon, fait que... Oui, peut-être qu'on voulait parler de son choix de scourge. Tu dis ça? Non. Ah, mais là! Dis pas ce que tu dis pas. Fait que, c'est ça, fait que... On attend Arthur d'une minute à l'autre. Ah, ben parfait. C'est bon. Faire ceci. C'est sûrement l'endroit le plus safe, tu sais. L'endroit qui a explosé il y a deux semaines. C'est comme. Quelle bonne idée. C'est pas deux semaines, comme moi, ça. Ah, ça fait une semaine. Tout arrive.
Parfait, cet endroit-là est magnifique. Là. À voir si j'aurais pu m'en faire une belle demeure. Hein. J'aurais dû l'acheter quand quelqu'un. Ouais, c'est pas pendant qu'elle était disponible. Ben, d'abord, quand lui il rentre, je le salue, mais je me retourne m'asseoir à mon trône puis je texte à l'infini. Ok, moi. Ouais. On va faire un petit genre. Ouais. Même si c'est limité à cette heure, mais bon. Je suis très de bonne mère de le voir. Mais qu'est-ce que je. Tu me suis? Tu me vois? Ah, c'est pas la vie. Okay. Oui. Qu'est-ce que comment ça fonctionne? Ben, tu le fais, puis chaque réussite, c'est un nombre de personnes qui te regardent. Est-ce que les gens, ils s'en rendent compte que ça fait ça? Ben, ça ne fonctionne pas comme des vieux vampires. Hein? Ça marche contre tout le monde, mais ça peut insulter les vieux. Oups. Puis c'est les plus... ça marche sur les plus proches de toi en premier. Mettons. Établissement, recherchez-vous. Manoir! Ta mère! C'est ta mère, ton établissement. Fait que si on y va vite de même, mais le prince est plus loin, il y a le nord, il y a Zénon, pis tout, là, tu sais. Fait que les plus proches, c'est les plus vieux. Est-ce que j'en suis conscient que c'est comme un peu mal? Tu n'as jamais utilisé cette parole-là, toi. T'es content! Vas-y! Parfait, j'allais l'essayer. Sérieusement, performance. Difficulté 7. C'est quoi? Difficulté 7, charisme, performance. Ah non, c'est le lower willpower first. C'est pas le. C'est pas les plus proches, c'est les willpower les plus bas en premier. Anyway. Anyway, j'avais. Fait que c'est performance. Performance, charisme. Fait que ça me fait 6. Lina, t'as combien de will? 6. Ouf, ben j'ai 8, 8, 9. 8, 9, 9. 5, 4, 4. Boy, ça va être une couple de personnes, fait que ça se trouvait toute la salle sur l'île. Ah non. Ah non. Donc, c'est le groupe. Bon, c'est 6 personnes. C'est pas mal tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Ah, en présence. En rentrant. Dans les idées. Quelle magnifique mère noire. Puis, oui, exactement. C'est moi, j'ai envie de faire des choses comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Fait que vous vous sentez tous un peu intéressés par lui quand il ça me fait rien, j'étais déjà intéressée. Quand il encense son manoir. Quel choix magnifique de tapisserie. Puis, tout le kit. Pierre, c'est des places magnifiques. J'ai reçu, je l'aurais acheté sans le voir. Chape de laine, mon boy. Chape de laine. Font tout. Fait que c'est ça, ma petite parade. Tu veux que je fasse une performance pour ça ou... Non. C'est bon. C'était mélangé. C'est le monde que tu regardais déjà, tu sais. Fait que... Okay. Chape de laine, ça a pas l'air de la merde. Ça crasse, ça goûte. Il y a plus de rire. Ça goûte pas à poutine. Ça goûte pas à merde. Hey, toi, on a pas ça là. T'sais. Fait que je m'en vais dire bonjour à Inor. Je fais un beau bec sur la main. Puis merci. Oh, puis, full classique. Deux à grave parce qu'elle est grasse. Ah, je t'aime. Wow. Wow, j'ai pas fait ça. Je cap des airs. Puis après ça, ben, je te fais ma révérence super courtois. Puis je m'en vais faire Zénon. La fois, t'en restes la même. Puis Chris là. Wow, c'est vraiment fun. Fait que tu t'avances. Sauf que tu es chez nous. Tu sais, tu te regardes t'emmener de loin. Puis tu fais un petit signe de bonjour, tu sais. Puis ça a l'air qu'il y a eu un entretien avec moi. Absolument, absolument. J'avais quelques questions, étant donné que vous avez plus de vécu que moi. Mm-hmm. Est-ce que c'est possible d'avoir une discussion, disons, plus confidentielle? Parfait. Pas un problème. Puis, Prince, avez-vous une pièce où je pourrais discuter avec Arthur? J'en ai-tu une? Oui. Attends, c'est mon nouveau manoir, je sais pas, je vais aller explorer. T'as 12! Puis, je rentre dans une pièce. Ok. Il y a des portes là autour, genre, je passe une deuxième. Je rentre dans une pièce. C'est-tu beau? Ben oui. Ok. C'est clair! Fucking beau! Je veux tellement faire un jeu tellement figé, hein? Ah, j'ai une réussite. Ah, c'est bon. Genre, vous pouvez utiliser cette magnifique pièce. Elle a une lame qui coule. Merci beaucoup. Yeah. Je fais une belle révérence aussi. Je me retourne à mon trône. Je boude pas, je texte aussi. Je fais, hey, j'ai un royaume à gouverner. Oui, ouais, c'est bon. Un royaume à gouverner. Il va pas super bien, je te dirais. C'est assez le kingdom. Fait que moi, je suis Arthur, puis j'essaie d'avoir ice contact avec Jules jusqu'à la dernière seconde. T'essaies d'avoir quoi? Voilà, qu'est-ce que tu fais? Je te regarde. Fait que Zeno, il s'assit dans un magnifique fauteuil. Parfait. Elle rentre. Zeno, il se compte. Il est comme
c'est quoi? Wow, c'est malade ça! Zed, t'as pas ça, c'est dit au carrière! C'est fait que. Il va bien qu'il découvre les amis. Oui! Ouais, on n'aime pas ça en 1800! Non, hey, d'autres, c'est ça, ça sert à du crottin de cheval, pis. On mettait moins ou plus de fouet. C'était une bûche debout! Ouais! Quand on était jeune, il est confortable, c'était un bon. Tu t'assis là-dedans, tu t'assis dans le divan, fait. Il y a des petits drinks, t'en veux. Ouais. Ok. Fait que dans le fond, moi, je voulais connaître ton point de vue sur. La mascarade. Je voulais savoir comment ça fonctionnait avant puis comment ça a changé depuis. Fait qu'il te fait un historique un peu. Il dit aujourd'hui, semblerait que c'est quasiment plus facile parce que tu peux avoir l'air de n'importe quoi puis le monde, ça passe bien, genre. T'sais, il dit, je me souviens, moi, dans le temps, les, tu te comptes les clans. C'est ça, il dit, les seuls qui l'ont comme plus dur aujourd'hui, c'est Nosferatu, parce que, me semble, dans ce temps-là, c'était plus facile. Du monde, il est des bossus, il attribuait ça à des maladies, aujourd'hui, c'est plus ça. Mais sinon, je veux dire, tu croises des bourgeois, tout esti, punk, puis des affaires de même, là, fait qu'il... Disaster, tu peux te déguiser n'importe quoi, puis ça passe bien. Une question, est-ce qu'Isaïd est rentré avec lui dans la salle? Ok, parfait, je vais parler à Isaïd pendant ce temps-là, mais vous pouvez finir, on va voir après. Fait que. Sa vision, comme aux règles autour de la Camadia par rapport au respect envers les humains. Moi, je veux en savoir plus sur l'origine des vampires, puis c'était comment à l'époque. Ok, ben, tu sais, il te raconte les traditions, les règles, puis. T'es-tu traditionnaliste? Est-ce que t'es en accord avec les traditions actuelles? Si ça n'a pas changé, puis ça n'a pas besoin de changer, je pense que oui. Je sais pas, ça a-tu changé, ça? C'est-tu la Camarilla? C'est les mêmes traditions que... C'est... Ça n'a jamais changé. Ben, donc, okay. Dans la Camarilla, ça c'est sorti vraiment pour combattre la révolte en arc. Fait que c'est des années 1600. Mais moi, dans le fond, c'est là où je m'interroge, puis je me demande, comme par rapport à l'histoire, c'est plus comme, dans le fond, par rapport aux vampires qui se cachent des êtres humains, est-ce qu'on est déjà en haut de la chaîne? Est-ce qu'on s'en foutait de ça? Ou ça a toujours été un peu caché, mais... Ça a toujours été un peu caché, parce que c'est... Tu sais, c'est parce qu'au Moyen-Âge, ça se basait beaucoup sur les mythes, les légendes, pour se... Tu sais, c'est comme, t'allais pas à telle place parce que c'était hanté ou ci ou ça. Là, maintenant, c'est que... Si tu vas avec ça, exemple les maisons hantées ou quoi que ce soit, ben il y a des thrill seekers qui vont y aller, tu sais. Juste pour aller voir s'il y a du paranormal pour vrai. Puis la canne par rapport à ça, pas la canne, mais mettons les traditionalistes, est-ce que eux, dans le fond, ils se cachaient plus? Est-ce que. Ben les traditionalistes, c'est qu'ils vont être plus proches de la hiérarchie, le prince gère sa ville, puis la mascarade doit être respectée et tout. Puis ça a pas changé depuis. Ça devrait pas avoir changé tant que ça. Okay. Parce que la mascarade protège quand même. Il y a plus de bris de mascarade, je dirais, maintenant. Parce que les jeunes, c'est comme... Tu sais, avec Internet, tout, ça devient plus facile. Dès qu'il y a quelque chose d'inexpliqué, ça peut être plus facile, je te dirais. Okay. Parce que la communication est rendue instantanée, tu sais. Quelqu'un prend une photo, clique, puis il prend une photo... Ça fait cause du monde. Non, mais il prend la photo, c'est une super belle fille, il prend une photo, puis c'est let. Ok, ouais. Parce que c'est un os en obfusqué trop, tu sais. Fait que les bris de mascarade sont plus... C'est ça, mais il y a toujours quelqu'un qui est fake sur YouTube, ouais. Fait qu'on est correct. OK. Fait que toi, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Ben, présentement, c'est sûr que c'est mieux de garder ça, là. Puis est-ce que, dans le fond, on a toujours été en haut de l'échelle de l'évolution, on va dire ça comme ça? Ouais, puis on le sera toujours, là. OK. Puis comment ça fonctionnait, la hiérarchie à l'époque? Il t'explique la hiérarchie dans ce temps-là. Qui est pas mal la même chose. Ça se ressemble. Là. Fait que ça n'a pas changé non plus. Puis lui, il dit genre qu'aujourd'hui, ben, c'est plus pareil, là, comme il dit, la communication est folle. Là, t'sais. Dans ce temps-là, je veux dire, deux personnes de l'autre bout du royaume ne peuvent pas se parler vraiment. Hein. Ben, il dit aujourd'hui, le monde peut se parler, s'organiser rapidement. T'sais, fait que autant. Des personnes qui veulent chambouler, mettons, le royaume du prince peuvent s'arranger rapidement de loin, tu sais. OK. Fait qu'il dit qu'il faut porter plus attention aujourd'hui.
Parfait. Puis pour les anciens, j'imagine que tu es un ancien. Ouais. OK. Est-ce que c'est possible de se rapprocher un peu comme de la génération d'un ancien, à ta connaissance? Oui, mais ça, c'est pas un bon. C'est pas quelque chose de... Pas grave, je le sais pas encore. Hein? C'est pas quelque chose de légal. Ok, donc pourquoi? Il faut causer la mort d'un autre vampire. Ça, donc, c'est une des premières lois. C'est ça, c'est une des traditions de la carrière. Tu peux pas tuer un autre vampire. Ok, ça a toujours été le cas aussi dans le passé. Ça a toujours été le cas. À moins d'avoir une balade. Ok, c'est ça. Puis... Ok, il n'y a pas de moyen de devenir plus efficace en tant que vampire. Il y a peut-être de la magie trémère qui peuvent t'aider temporairement, mais. Officiellement, ok. Ah ben merci l'information. Puis j'aimerais en apprendre plus sur l'origine. C'est qui le créateur ou l'origine de qui j'ai entendu le nom 15. Ouais, tout le monde a entendu le nom 15. Ça, c'est comme les antédiluviens. J'en parle en plus, c'est pour ça que j'aime tellement ça. Ok, toi t'avais un maître, c'est plus présent. Je sais que tu vas me l'imaginer, mais je t'en veux plus. J'ai totalement oublié mon créateur, c'est drôle. Tellement longtemps. Ok, fait que... Je me souviens de pas grand-chose de lui. Ben, merci beaucoup pour l'entretien. Si j'avais des autres questions par rapport aux anciens, je m'intéresse beaucoup à l'histoire. En fait, à l'origine, je pensais comme me monter une bibliothèque de référence, faire comme une espèce de conservatoire de vampires. Ben, si tu veux une bibliothèque, je sais que notre ami Carmen en a une. Carmen okay. A une bibliothèque bien garnie, selon ce que Isaïe m'a dit. Ah, ben merci beaucoup pour l'information. Puis dans le fond, lui, physiquement, il apparaît quand même... Il a un squelette, là. Ouais. OK. T'avais eu sa photo, là. Il a posé... Et j'aurais peut-être quelque chose pour vous, si vous en avez besoin, à court terme, moyen terme, on pourrait peut-être... Comment? Il est bleu. Je lui présente le médaillon, dans le fond. OK. Parce que. Venez, là, il y a des affaires, pis tout, là. T'es arrivé des événements, il y a eu un antagoniste qui. J'ai checké des bouts. Un protagoniste. Mmh. Ça a fait la même chose. Moi, je te pose pas la question. Il check, pis ça, c'est, ça fait quoi, ça? Ouais, c'est guéri. Pis t'as je vous en prie. Ça fait quoi, ça? C'est pour empêcher un bris de mascarade. Je vais faire un perception empathie, là. Pas de problème. Avec un shit l'autre de dire, je m'en connais pas. Overbid-tu. Peux-tu overbidder? Ben oui. T'as combien? Oui, je vais l'arrêter. Ouais, mais ça prend combien de double plus que deux dés? Faut que t'ailles le double des dés par que son target. Qui est okay. C'est manipulation subterfuge. Moi, ça, tu manipules. Si tu veux mentir, si. Non, je mens. Mais parce que lui veut voir si tu mens. Parce que ton passif, c'est manipulation subterfuge. Okay. Fait que c'est le target qu'il faut qu'il batte. Fait que t'es. Ok. C'est le plus que le double de dés que le target. Tu vois qu'avant de le mettre, il check un peu. Il fait un jeu de perception occulte, là. Ouais. Ok. Puis t'as pas envie de tuer Camille. 4 réussites, tu sais. Je vais pas le tuer, je vais essayer de le piéger. J'ai déjà vu quelque chose de semblable sous une bague, si je me souviens. Là, il met le médaillon, puis il y a l'air de ce qu'il y avait de l'air à faire. Parfait, mais si ça peut vous être utile pour l'instant, vous en fait un vrai. Ah, merci, j'aurais pas à me changer d'apparence, tu sais. Ah, vous avez déjà les capacités de. Oui, probablement. Est-ce que c'est vraiment utile pour vous à ce moment-là ou plus ou moins? Ben, je veux dire, un accident est si vite arrivé. Je veux dire, vous, clairement, vous n'avez pas besoin. Hein? Non, moi, j'ai de la chapelle. C'est en plus, moi, c'est sûr que s'il y en a un comique qui décide d'essayer de me faire tomber la mascarade, ben, avec ça, ça ne marchera pas, je crois. OK. Quand je le porte. Parfait. Ben, pour l'instant. Pourquoi il pue comme ça? C'est un samedi, il est là-bas. Fait que, ben, il te remercie.
Cool. De cet entretien. Je vais écrire que tu y laisses le médaillon. Tu m'en as pas à moi des beaux colliers comme ça. Non. Je suis cheap en tabarnak. On n'était pas vieux. Ouais. Ça me montre les vieux aussi. Comme tu dis, gars. Fait que t'as cet entretien là, pis là toi tu veux parler à Isaïd, pis là toi t'es là aussi. Alors, je suis pas, hein. À chaque fois j'étais quelque part, tu le sais pas. Mais non. Avec lui. T'es rentré avec lui. Ah, bon, ben t'as tout entendu ça, là. Non, mais c'est vrai, je me souviens que tu l'as dit, Mais j'ai pas fait rentrer Isaïd, fait que j'ai dit, elle ne suivra pas. Moi, je parle à Isaïd. Non, je t'ai écouté. Moi, je parle à Isaïd. Puis, pendant ce temps-là, mais je suis moins bavarde. Okay. Je suis moins bavarde, en fait, parce que je suis un homme. Avec la vessie, ça s'arrange. Fait que, genre, je raconte un petit peu à Isaïd comme les dernières nouvelles que j'ai eues, parce que je pense pas que je l'avais texté pour lui dire ça. J'avais juste demandé des ressources à Baba Maska. Fait que, j'y explique grosso modo l'espèce d'inquisition avec l'Église. Puis j'explique aussi qu'on a comme trouvé quelqu'un qui a probablement été comme victime d'un rituel pour faire sortir, pour matérialiser un démon, genre. Puis je suis juste comme, j'ai vraiment besoin d'aide. Ouais. Ben, c'est sûr que en tant que prêtre, tu vas peut-être avoir besoin d'aide, faut pas que tu le cries trop fort. Hein. Non, c'est ça, si je te le dis à toi, là, j'ai pas mal fermé ma gueule jusqu'à l'instant. Oh, ouais, non, mais je comprends que ça brasse beaucoup depuis. Depuis une couple de mois, là. Depuis deux mois, ça brasse beaucoup à Saint-Hyacinthe. Puis depuis que t'es là, ben, ça a pas été long qu'il y a eu de l'action aussi. Je vois le manoir qui pète, puis. Non, mais regarde comme qui est beau maintenant! Un ancien qui se réveille, pis. C'est une bonne affaire qu'elle ait pété, finalement! Ah, les assurances! Mais l'ancien, ça, c'est pas de ma faute, par exemple. Non, 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 mais tu sais, c'est des affaires comme ça, pis là, prophétie, la religion. Moi, dans le fond, c'est que j'ai comme. J'ai jamais eu à gérer ça. Fait que. Éliminer des hunters, j'ai aucune idée comment qu'on fait ça. Éliminer des hunters ou juste comme. Les asseoir. Puis l'histoire du démon non plus, tu sais, j'essaie de trouver des gens qui ont des informations, mais il y en a très peu ou pas assez pour nous permettre de résoudre le problème. C'est sûr que pour éliminer des hunters, ça va prendre des combattants. Tu peux pas négocier avec des hunters. Ok. Fait que ça va te prendre une forme. Puis j'imagine que certains skills de majestueux risquent de ne pas fonctionner non plus. Ben, pas comme tout le monde. De ce que je sais, c'est que les hunters ont des voiles, des manières. Comment ça s'appelle? En tout cas, ils ont des sortes de clans. Tu sais. Okay. Puis, chacun a ses pouvoirs différents. Okay. Tu vas avoir ceux qui sont de la défense. Je sais pas, tu vas prendre des notes. Oui, oui, j'en prends. Il dit c'est ça, t'as la défense, t'as l'innocence, t'as le jugement. T'as le martyr, t'as la rédemption, t'as la vengeance, t'as la vision. Ça, c'est les types de Hunter qui existent. OK. Chacun va avoir... un lot d'habilité. C'est ça, c'est pouvoir différent. Fait que si t'en prends deux ensemble, ils peuvent faire un cachement assez rapide sur Pain ou Vampire, assez fort. OK. Ah non, c'est plus comme un genre... Mais là, moi, mon problème, c'est que de qu'est-ce que j'ai compris dans les informations que j'ai eues, c'est que même si on réussit à éliminer ceux-là, c'est que là, il y a des... ils ont déjà appelé des renforts de Rome. Parce que j'ai appris l'information sur la bibliothèque de Carnot. Fait que moi, ce que j'ai peur, c'est que si on les démolit, il va juste en venir de plus en plus. On n'éliminera pas le problème. C'est ça, c'est une possibilité. Okay. En fait, c'est pas mal ça qui est arrivé, si j'ai bien compris. Depuis l'histoire à l'église, là. Ouais. Comme en une semaine, il y a eu trois prêtres qui sont morts. Fait que là, on irait dire que. Je sais pas, deux ou trois, là. C'est, ben, peut-être que j'ai dit. L'archevêque là, qui est rendu à se bouger, là. Ça veut dire qu'on est rendu comme. On est un petit peu trop loin dans cette histoire. Et je veux dire, quand le pape va descendre. Ok. Le pape à Saint-Hyacinthe. Hey, je prends une glace, moi. Après, j'entends cette conversation. Ouais. Maintenant, tu boudes. Tu boudes,
Puis mettons des combattants qui seraient bien outillés contre des gens de l'Inquisition, est-ce que tu en connais? Elle n'a pas eu. Non, mais toi tu l'as. Nos pouvoirs ne marcheront pas tous contre eux. Ouais, c'est la base des Morgaviens. Ah, ben. Si on y va vraiment loin des explosifs. C'est pas pour ça qu'elle t'a suivi. Je l'aimais un peu là-haut. Parce que de qu'est-ce que j'ai compris, c'est qu'il s'était reclus dans le presbytère Saint-Joseph, dans l'église Saint-Joseph. Parce qu'ils ont une certaine défense de True ouais, Faith autour ça, de l'église. Mais le bâtiment est quand même gros, mais il s'adonne que j'ai relativement un beau paquet de C4. Je pourrais la mettre à terre, cette église-là. Ça ne réglera peut-être pas notre problème. Mais non, à Saint-Hyacinthe, il y a au-dessus de 10 églises. Ils vont juste changer de place. Ils vont changer de place. À moins qu'on fasse exploser l'église, puis qu'on encercle l'église pour les empêcher de s'enfuir. Puis qu'on les tue. Ouais. Et là, il faudrait être sûr de tout et avoir le coup. Fait qu'il faudrait je trouver... Je veux entendre! Faudrait trouver un soir qui vont se réunir. Je veux pas. Probablement en même temps quand la gang de Rome vont être arrivés. Ok, fait que je vais aller texter mon contact puis on va regarder ça. Puis sinon, pour tes qu'est-ce qui est secte, rituel de réincarnation, démon, tu connais-tu quelqu'un qui pourrait m'aider? Non, je suis moins c'est quand. Gaspard, peut-être? Ah oui, je vais voir. Gaspard, peut-être, je sais pas s'il a connu ça, lui. Zénon? Ben, c'est ton arrière-arrière-arrière. Si les démons d'antan sont comme ça aujourd'hui, peut-être, ça serait une chance. Ça, c'est un. Ok. Je pense que c'est déjà arrivé dans le coin des démons, là, mais je ne peux pas dire quand. Il me semble vaguement. C'est avec le temps. Bon, je vais lui poser la question quand il aura fini tantôt. Ça, je... Moi, j'ai une série de messages textes que j'envoie là, à 500 millions de personnes. À l'écrit, c'est texte. Genre, là, je texte Grégory pour savoir si, dans le fond, s'il y a eu plus d'informations sur les gens qui sont dans l'église ou en tout cas sur les inquisiteurs. Okay. Puis aussi, j'ai demandé de surveiller les actions des ducs du Richelieu pour voir s'ils étaient loyaux. J'ai demandé ça la veille. Grégory, tu demandes. De jeter un coup d'œil pour l'Inquisition, l'Église, okay. Puis de surveiller les ducs du Richelieu. Oui, ça, ok. Ça, c'est ses étudiants. Ok. Je texte pour savoir si, dans les vendeurs d'armes de la région qu'ils connaissent, s'il y en a qui ont eu des acheteurs ou des achats inhabituels. Ok. Je collerai une élection des primogènes le lendemain. Ok. Fait que ça serait comme un texte général. Là. Parfait. Je texte Camille pour faire coucou, qu'est-ce que tu fais? Je texte Carmen pour dire coucou, qu'est-ce que Camille fait? Je texte Gaspard pour savoir s'il y a des informations sur l'occulte, les Witch Hunters, tout ça. Ton assistante détective privée. Puis, j'avais demandé à Pénélope de watcher les vols privés ou les vols qui allaient soit atterrir à Saint-Hyacinthe-Sainte-Madeleine, Québec-Montréal et Rome. T'es pas obligé de me répondre à ça tout de suite, là, non, parce que ça va être pour les autres, là, mais c'est ça, c'est fait. Voilà. C'est ce que j'avais à faire pour ce game-là, j'imagine. Fait que... Une élection de primogène. Il était temps. Vous, C'est que c'est une phase de clown barbare. Mais David, tu veux devenir le primogène Markavian? Il y a juste toi qui sais que je suis Markavian. Il y a personne même qui sait. Jeu. Ah, peut-être que quelqu'un qui a réussi. Tu sors jeu parce que tu viens de faire une face. Non, je le joue comme un Benjou un moi, peu. Moi, je t'ai pas. Je t'ai pas lu ton aura. Je t'ai serré la main. Vous autres, vous sortez de la pièce avec Zénon, c'est quelqu'un qui a Isaïd. Non, avant de sortir, Zénon sort. T'as connu mon Bloodpool à ce moment-là? Je retiens Arthur qui me.
pas partout. Je sais que t'es à... Fait que là, le nom il sort, puis là, je t'ai appris, j'ai... Quand même, je t'ai permis de le rencontrer rapidement, t'as eu beaucoup d'informations. Oui, merci, je suis vraiment reconnaissant, justement. Parfait. Fait que j'aimerais ça que tu bois de mon sang pour me prouver... Avec plaisir, ma chère. Wow. Est-ce qu'il... Fait que c'est ça, fait que... Je donne mon sang pour être certaine qu'il soit gentil avec moi. Tu t'enlèves un blood, puis toi tu gagnes un blood. Fais ça l'air dans l'Elysium? Ouais, ben dans la pièce. Dans la pièce à côté, okay. Pour une cochonnerie, tu sais. Font leur cochonnerie dans le garde-robe, dans le magnifique garde-robe. Ouais, c'est illégal en camp. Ben pendant qu'ils font ça, je vais aller voir Zénon pour lui poser des questions sur le démon. Mais t'arrives à te lever, puis t'entends comme... C'est illégal. Cogner, genre... Tant que c'est les Charles qui te le demandent. Je vais laisser Charles parler de la voix du prince. Attends, là. Oui, oui. Une porte en arrière de quoi? C'est du manoir, là. J'en ai en cours. Ouais. Attends, répète-moi ça. J'ai dit, c'est un autre pouvoir, t'as le droit. J'ai assez de problèmes. Le prince, quand le prince, c'est pas dans la pièce. À part avec la voix du prince. C'est ça, le sénéchal. Fait qu'on sort. Non, mais je suis venue pour aller parler à Zénon, puis il y a quelqu'un qui cogne dans la porte en arrière. Ah. Fait que, fait que je te ramasse par le bras. Qu'est-ce que tu veux? Il y a quelqu'un qui cogne, c'est pas normal. Ok. Ok, t'as pas de caméra, toi? T'es déjà installé, tout? J'ai des caméras déjà installées, moi, pis tout. T'en avais-tu dans ta cobra, je l'ai dit. On va savoir. Hein? Plus c'est 10, plus c'est bon. Parce qu'il me semble qu'après. Ah! T'as pas de caméra en arrière, c'est dit. Y'a même des... pas de lumière! Le gazon, il est jaune, c'est super laid. C'est pas des mots en dedans, par exemple. Dans le potager, t'as planté des pommes, c'est con. Y'a un flamant rose, mais c'est peut-être. Y'a personne qui s'en fait là! Moi aussi, il y a un gnome avec la tête qui fonce. Oh my god, il y a genre une collection de jardins. Ils sont tous cassés. C'est ça. Ok, ben. Veux-tu chien? J'ai l'air avec toi, là. Ouais, bon, t'es que là. Fait que quand on arrive devant la porte, la porte. La porte de mon propre maman, je suis le prince, là, t'sais. On peut-tu parler par la porte? Ouais. Je vais juste crier comme l'entrée est par en avant, épais. Ah, attends, une voix de vieux, genre. Fais pas le tour, ouvrez la porte. Tu rentres par en avant comme tout le monde. C'est qui? Je viens me présenter au prince. Ah non, faites le tour. Ah. Ça commence à être pénible, ça. Mais c'est genre... Ben ça, c'est quel... C'est quoi, il ressemble à quoi? Mais il est dans le bord de la porte. Pas de lumière, pas de caméra, pas de flamant rouge. On est quand même chanceux que la porte soit pas insonorisée. Ça prend comme 10 minutes. Ah ouais, t'avais jeté en 1, c'est une porte à moitié. Là, tu vois comme un petit vieux monter les marches en avant. Oups, mon dé. Ah non, il est pénible. Ok. Et, un petit vieux qui monte les marches. Tu sais, il y a 90 ans passés. Pauvre petit vieux. Tu savoir, t'avais écrit quoi cette affaire quand tu m'as respecté? Ah, fais pas exploser mon maman, s'il te plaît. Tellement. Je sais que tu peux donner ta carte, mais je sais que j'ai. Tu sais, il regarde comme dans la pièce. Tout le monde. Ah, ouais. Je sais, c'est le prince. Fait que si jamais je descends, tu vas. Tu vas le savoir. En effet, je suis le prince et vous êtes. Je suis Arcas. Non, je sais. Arcas, avec un cas. Arcas, ok. Et vous êtes un peu en retard pour venir vous présenter au prince. Je vais passer par la porte en arrière. Si jamais je suis là, je vais faire. En retard de quelques jours, quand même. Regardez, est-ce que je marche? Ok, ça a pris 6 semaines. Ça me donne une petite marge de manœuvre. Pendant un certain temps. Non, c'est bon. J'ai pitié de lui. Ah non, puis en plus, je t'ai blessé, c'est quoi? Donc, vous êtes Arcas. Oui. Après, vous vivez sur le territoire de Saint-Hyacinthe? Non. Quand vous vivez où? Ah, je viens de... plus vers Longueuil. Longueuil. Mais comme on était à Montréal... Ça explique bien des choses. C'est ça la coupe. La coupe! C'est loin. Je comprends. Ouais, que... Et puis... vous appartenez à la Camarilla, j'imagine? Tu l'as dit? Sauf les gens. Parfait. Sinon, je serais dans 10 000 santé. Non, mais. Il y
qu'il y a des rôdeurs partout. Oui. Je fais un jet de perception. Vas-y. Je vois pas la tête. Je fais un spectre 2. C'est en même temps, c'est les gens les deux qui le regardent. Qui le dévisagent au bout. Tu devrais lui donner un itinéraire. Les trajets du boss 200. C'est-tu. C'est des 6. Parce qu'une fois, ça va prendre moins longtemps. C'est ça. Mais c'est une fois que tu as une perception empathique. C'est difficulté 6. J'ai 3 réussites. Ah, Seigneur! J'ai peut-être rien. J'ai aucune réussite. Ben non, j'ai un 10 et un 1 qui s'annule, puis c'est tout. Ah, ok. C'est beau, là. En fait, ça, c'est pas. C'est 2-1. Ça, c'est 2-1, ça. Fait qu'il s'annule pas, il s'addit. Ah, ok, fait que j'ai botché deux fois. Fait que t'as double botch. Waouh, double botch. Là, tu la regardes, là, il te tombe. Non, c'est plus qu'elle va passer l'inverse, même. Non. Ça dépend, c'est au cas du. Okay. Il va donner les informations. Dans le fond, ouais, mais dans le fond, elle fait perception empathie, là. Sur quoi? J'ai pas suivi. Elle fait la perception. Elle fait, dans le fond, elle faisait. Non, j'ai fait un Specs 2. Ah, sur la c'est ça, elle a pris l'aura. Fait que tu vois un bel aura blanc, peu propre, impeccable. Toi, sa sainteté. J'ai fait 3. 3, lui, il y en avait 4. Fait que. Tu vois, fuck all dessus, il a l'air bien correct. Il est correct. C'est pas correct. C'est mon petit livre préféré. Ma mère va partir. Quand tu te débalances, on va passer au feu. Bon, allez, n'achetez donc, tu te souviens. C'est quoi? Vos occupations? Retraité? Évidemment, mais quand même. À part marcher de longueur Saint-Hyacinthe, qu'est-ce que vous faites de... Avez-vous d'autres loisirs? C'est pas Marc, par exemple. Ouais, Marc dans 50 ans. Genre. Ben là, il y a 90. Ouais, non. C'est ça. Il y a 91. Il a été mordu à 91 ans. C'est triste, ça. C'est quasiment que c'est cruel. Ça doit être Didier qui a fait ça. C'est ça, c'est son meilleur ami. Sérieusement, oui, dans une pause de boss, là, ça fait pitié. Genre, là. Oui, il fait de la cause. Tu sais, il y a quelque chose qui est. Est-ce que vous avez un téléphone cellulaire? Il sort, ben oui. Ah, wow. C'est cute. Il sort la valise avec l'antenne. C'est les années 80. Le vieux salio gris, tout ça. Il veut que je prenne mon cellulaire. Je vais vous appeler. Qu'est-ce que c'est? Peux-tu je brosse un jeu d'intelligence pour pas le faire, oui, non, genre? Ah, ça doit être un technomancer. Je vais le prendre, moi, à ta place. Tu vas prendre mon téléphone? Ouais. Personne ne touche à mon téléphone. Non, il... le monsieur, il donne son cellulaire dans les mains? Ben, il demandait de donner son cellulaire. Il dit, donne-moi ton cellulaire. Il veut que moi, je donne mon cellulaire. Fait que là, pendant genre une couple de secondes, il regarde ton cellulaire, pis là, il t'appelle. Mais j'ai pas donné mon téléphone, là. On s'entend. Non, non, il l'a juste regardé. Oh, ok. Vous avez mes informations maintenant. Ah, ben oui. Vous avez quand même l'air d'avoir un certain lot d'habileté intéressant. Ben là, à 91 ans, on a le temps. Je m'assois pis j'ai le temps de penser. Pourquoi vous vouliez son cellulaire d'abord? Ben pour pouvoir communiquer avec le prince. Mais pourquoi vous y avez demandé dans vos mains? Ça aurait été plus facile d'y toucher que de le regarder. Ça aurait été un niveau de moins. Vieux Christ. Hey, mais dans ce cas-là... Je le sais, Jean. Ok, ok, ok. Je m'en souviens plus de ça, ok. Moi, je m'en souviens. Dans ce cas-là, il y avait un dude que je cherchais à un moment donné, puis qui a fait sauter mon téléphone. Et le connais-tu? Non. C'est-tu lui? C'est-tu lui? Non, mais... J'ai plus de notes de ça, ça fait trop longtemps. Moi, je suis venu vous parler. Ah oui, c'est quand on cherchait Chill. Ouais, excuse-moi. Je suis venu vous parler parce que de où ce que je suis, je vois le pont Jean-Cartier. Puis, cette nuit, l'autre nuit, une nuit, j'ai vu. Ah, attends,
À un moment donné, il n'y a pas longtemps. C'est ça, j'ai vu des voitures blanches traverser le pont Jacques-Cartier et s'emmener ici. Ah, c'est malade. Ah. Des limousines? Non, non, non. Est-ce qu'il y avait des croix devant? Non, non, non. Il était blanche puis il ne touchait pas à terre. Des limousines. Ça, non, des chars qui volaient. Ça, mon petit gars, ça s'appelle des avions. Ah, ça explique tout. Est-ce que vous aviez consommé des substances licites ce soir-là? Non. Peut-être les autres soirs. Pas celui-là. Les autres soirs, je voyais des toujours eu des permis pour ça. Fait que des voitures blanches qui touchaient pas à terre. À combien de fois je peux lui faire une perception empathie à lui? C'était... Tu dormais? Tu peux le faire à peu près à chaque fois. Tant que tu botches pas, là. Sur le pont de Jésus. Je le regarde encore, je le scrute et j'en fais. Ouais, moi aussi, j'étais assez incrédule là-dessus. Là. Il y a beau être fucking sain, il y a une limite, là. Mais t'as moins techniquement. Ben toi, tu peux pas refaire... Oui, non, je fais pas specs, mais je vais faire perception empathie. Je peux rien faire, là. Ah, mais c'est dépend. J'ai deux précis. Ça moins deux. J'aurais peut-être une petite question avant que ça se passe, parce que ça va dépendre de ce qui c'est va se passer. Six, avant sept. Que quand on aurait sorti de la pièce, moi je... 6, 7. C'est 6, genre, perception empathie. Moi, j'aurais parlé Carmen, en as-tu répondu ou pas? Là, t'aurais pas répondu. Non. Ok, ben je savais que ça. 5. Et 7. Fait que, il y a moins deux. Ok. Il a pas l'air de bullshitter. Il bullshit personne. En fait, t'es convaincu qu'il bullshit pas, pis tout, c'est... Il y a-t-il l'air de présenter bullshit une certaine pas. Émotion où il est complètement blasé? C'est dur à dire, ça. Si, patch it up. Fais-le, parlez un peu plus vite, s'il te plaît. Ben, ok, t'aurais pas vu... Il va le faire. T'aurais pas vu des plaques d'immatriculation ou quelque chose du genre? Non, ça aurait été. Mais comment t'as fait pour les voir quand tu dormais? Il manque de dés, monsieur. Ok. T'es un dreamwalker, genre. Donc, c'est dans le jour qu'ils sont arrivés? Ouais. Ils sont pas. J'ai deux succès. Oh, patch it up. Ok. Puis, ils sont pas arrivés. Ils sont pas encore arrivés ici. Ok, ils s'en viennent. Ils s'en viennent. Ok, fait qu'on va aller faire sauter le conjoint de quartier, dans le fond. C'est pas encore arrivé ce qu'ils viennent dire. Non, ils s'en viennent. C'est une prémonition. Ok, c'est super. Sauf que si tu fais sauter le pont genre quartier, parce que tu veux pas que des chars volants passent par-dessus, ils vont passer à côté. Mais non, on va aller mettre des bombes, puis on va attendre qu'ils passent dessus pour le faire sauter. Mais vous allez pas faire sauter le pont genre quartier. Il y a déjà pas assez de pont. Il y a un métro. Il ne va pas. Ah ouais, il va aller. De toute façon, il n'y a personne qui veut aller à Montréal. Eh, moi, okay, ça a été que mon intérêt en estime. C'est plein de ça. C'est ton intérêt. Ah, j'aime ça, hein? Non, ouais, c'est parce qu'il a fait passion up. Ouais, c'est ça. J'essaie de jouer un petit peu plus, là. Il parle plus vite, t'as pas remarqué, je vois. Non, pas tant, non. Puis, moi, j'aimerais savoir toutes les informations pour te recontacter, si je peux. Ah, ben oui, mais prends-moi ton cellulaire. Certainement. Je leur donne. Puis il sonne, il n'a même pas signalé, genre. Cool. Je t'ai envoyé un texto, là. Parfait, je réponds tout de suite, ouais. Tu sais, tu regardes ton cellulaire, genre, pis il y a fucking trop d'informations dessus, genre. Tu sais, je suis comme, bon, je m'appelle Arcas, j'habite à Longueuil, si, tatati, tatata, j'ai plus ma curiosité, genre, rien de ça. Il répète toute l'avance. Alors, ce que tu as dit, tu l'as tout texté rapidement, là. Puis mettons que... J'y réponds, est-ce que ça vibre sur son téléphone? Ça vibre, ouais, qu'est-ce que t'as écrit? Merci. Ça fait rien, puis on a même pas regardé. Nice. Il voit dans l'esprit des gens. Si. si tu dors encore, est-ce que tu es capable de revoir ça ou tu contrôles pas? Je prends mes photos. Qu'est-ce que tu vois? Tu es genre. Hey, exprime pas ça, j'avais pas fini. Excusez. Fait que. Il dit, ben non, c'est pas moi qui choisis mes rêves. Ok. T'es venu nous aviser parce que t'as senti qu'il était un danger? Ouais, parce que dans mon rêve, il pognait toute la sortie.
23. Donc ça, c'est celle de la présentation. Puis, ah ouais. Il s'en venait-tu vers 5 sur 5? Oui, il s'en venait tout à fait. Ok, ouais. Mais moi, dans le fond, j'ai décodé aussi un message. Comme quoi, j'ai vu que la ville de Saint-Hyacinthe allait être en feu par les égouts. Oh mon Dieu, c'est peut-être ça. Oh, on peut aller mettre des bombes sur le grand rang. Je crois à rien de tout ça. Vous venez me fumer du bon. Non, mais moi, je vois les codes partout. Là, là t'es un... Oh. Non, je le sais pas. Soyez pas arrogant, jeune fille. Moi, je vous crois, monsieur. Je sais que vous croyez. Vous avez vu la ville brûler, vous m'avez dit. Cette voiture blanche, probablement louée. Qui vole. Qui vole, oui. Non, ah, ok, des voitures blanches qui volent, ils n'ont pas loué. Peux-tu vous louer un char? Ouais, oui. Cette fois. Ok, qui vole. Il nous en reste justement 7. Ça va être un peu plus simple. Malheureusement, c'est pas c'est qui grécheux, simplet, content. Fait que ils vont atterrir à Montréal, puis ils vont passer par la sortie du grand. C'est pas mal ce qu'on sait. Fait que toi, tu l'as entendu. Hein? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Non? Moi, j'ai parlé que. J'ai dit que moi, je le crois, parce que j'ai vu comme dans le fond, j'ai décodé un message secret qu'elle avait dans la meuble. Ouais, ouais, ah, j'ai entendu. Bon. Okay. Ah, j'en fais perception empathie sur toi aussi quand tu dis ça. Ah, mais je disais pas ça pour toi. Je te dis pas. Je te le dis pas. Ah, ben, je botche encore. Mais oui, j'ai zéro réussite. Tantôt, c'est simple, c'est zéro. J'ai zéro réussite. C'est trop beau chez lui. Je suis toute déconcentrée, c'est merveilleux. Fais-tu mon lucky? Moi, je n'ai pas besoin. Distance. Moi, je fais juste 15 dés à la fois. Ah, miam! Il est là. Okay. Mais je vais rester en ville pour quelques semaines, probablement. Bon, mais vous nous avez été bien utiles aujourd'hui. Avez-vous besoin d'un endroit où rester? De mushroom. Hey, c'est ma job d'habitude, de ce fucking bitch. Ouais, ben je peux dormir ici si c'est sécuritaire. Au prince, direct. Au manoir? Non, c'est pas ça. Ouais. Je vous le conseillerais pas. Mais sinon, moi j'ai un mieux de très. La sécurité est encore à parfaire. Par contre, est-ce qu'on aurait un autre endroit? Clin d'œil. Oui, Arthur aimerait ça, il pourrait être une place. Non, c'est pas de cet endroit-là que je parlais, clin d'œil. Mais Arthur vient de parler. Non, il a rien dit, Arthur. Oui. Tu m'as dit ça? Oui. C'est ma job normalement, est-ce que bitch? Non, j'ai dit ça. C'est là. J'ai dit, dans le fond, moi aussi, j'en ai un autre endroit. Très accueillant. Non, mais vous avez une salle de bain. Ah, mais si vous voulez rester ici, il n'y a aucun problème. Vous pouvez rester au manoir. Je vais juste emprunter un coin de votre salle de bain, je ne dérangerai pas. Ah, mais j'ai plein de belles pièces. Vous pouvez prendre celle que vous voulez. Oh, pas de problème. Vous pouvez dormir par terre si vous voulez. D'accord, dans la salle de bain. D'accord. Jules, as-tu quelque chose dans l'œil? Tu as quelque chose dans l'œil? Non. Non. OK. Puis toi? J'ai peut-être quelqu'un dans l'œil. Bon. C'est qui t'a dans l'œil? Hein? C'est qui t'a dans l'œil? Qui rime ça? Non. Moi, Sébastien te le demande. Ben, pas Sébastien, Sébastien. C'est lui qui t'a dans l'œil. Ben oui. OK. Mais j'essaie de faire croire que c'est Arthur qui t'a dans l'œil. Non, mais là, c'est parce que là, tu dis genre, t'as-tu quoi dans l'œil? C'est ça que tu dis? C'est ça, moi, je me faisais clin d'œil. Ouais. T'as-tu quelque chose dans l'œil? Ah, ok. Non, je pensais que tu disais, genre, que t'as quelqu'un dans l'œil. On va y arriver bientôt. Okay. Oui. Fait que le dude, il dort dans la salle de bain. Que je dise qu'il dort à Saint-Dominique. Moi, j'ai fait, non, tu peux dormir chez Arthur. Arthur, il veut, il prête une chambre. Oui, il a fait plein d'œil, Non, non, plein d'œil, plein d'œil. T'as-tu quoi dans l'œil? Ok. Ouais. Non, toi, oui, moi, j'ai quelqu'un dans l'œil. C'est ça. Ok, c'est celle-là. C'est cette phrase-là que je voulais. Parce qu'il fait comme, ah, oh, le jeune homme qui est là. En parlant de Jules? Ben oui! En te regardant, il pointe l'homme qu'il y a là. Moi, je suis genre. Malaise! Puis je m'en vais! Monsieur, je ne vous aime pas. Puis je m'en vais. C'est arrogant, jeune fille.
Fait que je m'en vais faire ça sur mon trône, puis je t'écris mes textos, mais là, il est rendu. Ça en va du fâcher? Il est tard, hein? Non, il me fait juste peur un peu. Ah, moi, j'ai trop drôle, là. Je le filais pas, mais là. T'as pas mis de willpower? Moi? Oui. Adrien. 6. Lui, ça doit être un mort qui vient. Pendant un tour, tu vas être. Je sais que t'as une maladie mentale. Là. T'as un mort mental. C'est un mort qui vient. T'es dépressif pendant un tour. Yeah! Ça va durer juste un tour. Juste la scène là, que tu t'en as. Dépressive? Ouais, tu sais, dans le fond, là, pis t'as dit, t'as pas quand j'ai une fille qui pète une dépression. Qui dure le temps que tu sors de la pièce. Comme quand je pète une dépression? À peu près, là, tu sais, genre, là. Pis lui, il dit, je vais aller à la salle de bain. Pis il s'en va. Ok. Ouais, j'ai ton trajet là. Non. Il est trop fucké. Ok. Je me mets à pleurer! Comme le jeune homme qui est là! Je t'en recommande à part à pleurer! Tu vas perdre un blanc! Pour vrai? Tu pleures du sang? Oui! Attends, elle pleure! Ben. Elle se note! Par exemple! Attends, tu peux! La peur à mettre! J'essaie pour vrai! Elle se note! Non, pour vrai, réaction, je pense que je m'approche de Jules, je fais. Là, t'as-tu fini de niaiser, là? Arrête, pis... Qui était en train de me faire une scène de ménage? Un peu, oui! Wow! Je te dis, genre, tu vas-tu finir par écouter ton cœur? Pis m'accepter dans ta vie? En dépression! Je dis... Avec les larmes de t'es mon sénéchal, mon bras droit. Qu'est-ce que tu veux de plus? On habite ensemble. Mais je veux ton cœur! Et là, je pense que oui, je pleure. Je t'en vas? C'est ça, c'est un titre, il faut que tu t'adresses pour ça. T'en vas? Pourquoi ce titre, c'est mon parce mon qu'à 5, il l'enlève. Ah, ils peuvent t'enlever ton cœur, c'est vrai, ah, c'est okay, super fun, ce titre. Ah, ben, t'as justement un menteur. Je suis comme, ouais, c'est bien. Elle disait, c'était ça. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ouais? Oui. Ah, il y a personne qui fucking sait, ils sont belles. Fait que pour vrai, je pleure un peu, pis je m'éloigne. Je sais pas. Je te demande à toi, est-ce que. C'est vrai, il y a un game. D'aller rester, d'aller voir le manoir, tout seul. Dans un cas comme ça, est-ce que je peux me servir de Majesty pour obliger tout le monde à être content? Non. Pas être content, non. En gros, c'est que Majesty, c'est que tous ceux qui sont pour toi vont être comme... Il n'y a rien qui est impossible parce que tu es là. Puis les ennemis vont sentir qu'ils peuvent pas te nuire. OK. Fait qu'en tant que tel, utiliser un Majesty là, tu vas waster un will boy. Ouais, ok. Ah, ça coûte un Will Majesty? Ah, ça coûte un Will Majesty? Sauf que tu ben de la merde. Ah, ben, c'est un power niveau 5. C'est ça. Sauf que, tu sais, si mettons que quelqu'un commence à te péter à gueule, Majesty! Mm-hmm. Puis ça coûte un Will par tour, essaie de t'attaquer. Ok. Essayez. Non, pas s'il réussit. Si il utilise un Will, il peut t'attaquer. J'ai décompressé ça. Sinon, il faut que tu fasses un jeu de courage, difficulté. Ok, là, je comprends pas. Je pensais qu'on était. Ouais. Je fouille le manoir un peu. En pleurant un peu. Je perds un blood pour elle. Moi, ouais, elle me rappelle pas. Là. Non. Est-ce que. Ben, alors, oui. Je trouve une pièce avec des armes. Dans le manoir. Je sais pas. T'as-tu une pièce d'armes ou t'as. T'as quelques armes, je te dirais, mais t'as pas une pièce d'armes. Non, c'est ça, je penserais pas me montrer. T'as limite, t'as peut-être un gun. On n'a pas encore installé un bunker là-dedans, je pense pas. Là. Non. Chapdelaine sont cool, là, mais je pense qu'on est. C'est pas Bunker Shaden que t'as appelé. Non, c'est trop ça. Trop rien pour piéter. Ben, tu peux pas y une table de chaise. Il y a pas mal des boiseries partout, là. Une boute de moulure. Là, elle va pleurer si tu pètes une moulure. Tu sais, t'as pris un...
Ah, oh, c'est bien beau ce bouleur-là. Ah non, moi je connais un bon ébéniste pour j'ai ça. J'ai pas piété mon Gilles, là. J'ai de la peine, là. Je suis pas une crise de folle. Ben. Ouais, là, c'est fini ta dépression, c'est correct. Ah, bah ouais? Quand ça dure une scène. C'est quand tu quittes la scène, j'avais une réussite. Dans une des pièces, je pogne une patte ou whatever, quelque chose que je me rends dans le pantalon, dans ma botte. Ouais. On a un bout de patte sur le long. Peu importe. Pas dans la cour, ça va se plein de scrap. J'avais une patte de flamant rose. Une patte de flamant rose. C'est la fille Carmina qui est plante un flamant rose. Oh non! Chiche kebab. Une bête ça. C'est qui? C'est ça. Excuse-moi, vas-y. Définis-moi. C'est revenu. Toi, t'avais. Moi, je m'en vais voir la. Je m'en vais à l'adresse. Ah, tu vas voir la fille. Ça a l'air un peu trop long. Puis là, toi, tu faisais. Oh, fallu. Ok. Ça va voir la fille. Deux heures, une heure. Ouais, c'est ça. Fait que je vais utiliser un mille. T'arrives là, puis il y a une lumière d'allumée, genre. Okay. Il y a une lumière d'allumée. Ok. Je regarde. Tu vois, puis il y a une fille qui est couchée sur le lit, puis qui a l'air de pleurer. Écoute, je vais cogner encore. J'ai parti la palette sur G. Je me suis fait une plaque de police. Ok, là! Ok. Oh my god! Ça me prend ça. Bon, ben, tu sais qui me rend pas. Ça prend une couple de minutes. T'entends. Ça, j'avais. T'es quelqu'un qui m'y fait un peu. C'est qui? L'agent Michael. Encore des mauvaises nouvelles. Ça dépend, c'est quoi la mauvaise nouvelle? Parce que je voulais juste savoir si vous connaissiez telle personne. Le nom du gars, genre. Oui, je le sais qu'il est mort. Vous avez pas besoin de venir me retourner le frère dans le lit. Bon, ça, on venait. Je venais prendre votre déposition, vous savez que c'est. Vous savez dans quelle circonstance il est décédé? Brasse le 10. 6. 6. Elle dit. Ils n'ont pas pris ma déposition. Je pensais pas qu'ils viendraient la prendre à 2h le matin. Ça en vient. C'est le permis. 5, ils l'auraient déjà pris. Ça aurait été bizarre. Non, non, mais ça, c'est. Je viens m'informer. Ça va pas ça. Vous savez la cause de. En fait, j'ai posé la. S'il savait la cause de la mort. Je sais juste qu'il est mort, là. Je l'ai su aujourd'hui. Elle vient de là, ça. Ouais, ça fait pas longtemps. Ça vient d'arriver. Non, c'est arrivé dans. Le matin. Dans la journée. Hein. Là, c'est quand le soleil s'est couché. Ça fait 6 heures que c'est fait. Non, c'est quand le matin. C'est quand le soleil s'est. C'est quand le matin. C'est quand le soleil s'est levé. Non, quand le soleil. Je dirais quand le soleil s'est couché. Je pense que c'est couché, ouais. Ah ouais? Je dirais quand le soleil s'est couché. Ah, ça venait d'arriver. C'est quand tu t'es levé. Ben, quand. Parce que lui, il se réveille comme hyper de bonne heure. Ah, puis c'est déjà arrivé, ça venait juste. C'est arrivé, le soleil se couchait. Ouais. Lui, il se levait, ça arrivait. Bon, ok. Ça informe, ça. On vient voir. Ben, ça, je viens savoir si vous étiez au courant, s'il y avait des tendances. Tu sais, parce que c'est ça. Ben, c'est sûr que quand je l'ai laissé, ça lui a fait de la peine, mais. Ben, est-ce que je peux rentrer? Pourriez-vous aller devant la fenêtre que je vois à qui j'ai affaire? Bien sûr. Trinquer ta plaque, tu sais. Ah oui, okay. Ça. Puis ton third line un peu. Officiel. Ah, t'as l'air d'un enquêteur, dans le fond. C'est ça. J'ai pas un habit de police, mais j'ai une plaque. Ouais, non, c'est ça. Fait que ça va, elle va ouvrir la porte. 4 minutes encore. 4 minutes encore! C'est clair, parce qu'elle achève. Non, sinon, faut juste que je reprenne un autre. Ouais, c'est ça. Fait que. Bon, ben. Ouais, tu rentres avec. Elle s'assoit à table, tu sais, pis. Je vais lire son aura, ben, maman. Perception. Ah, ben, je suis pas encore super bon là-dedans. Ça m'a lu ça. Non, je suis pas gardé. Ça doit être overwhelming tristesse.
Ouais, c'est sûr. Good. Fait que ça, puis. Fait que ça, déjà, je vais serrer la main. Nickel. Avec ton power. La première réussite. Deux. Ben. C'est une humaine. C'est quoi l'autre fait après? Des blessures, genre. Ouais. C'est une humaine ou c'est un possédé ou quoi que ce soit? Ça, c'est... genre, tu sais, c'est une humaine qui est blessée, là. Elle a des blessures. Ok. C'est bizarre. So. How many damage? Un. Lethal ou bashing? Ouais, lethal. Fait que je vais resserrer ma plaque. Okay. Dans mon je vais disparaître. Elle va disparaître. C'est ça. Non, t'as ta plaque. Ça va coûter un wheel, ça. Ouais. Un wheel, si. Ça avait besoin de passer. Ça, je vais juste poser comme des questions, voir si. Dans le fond, ça faisait pas longtemps qu'ils étaient séparés. Ils étaient. Un peu violent, tu sais, des fois. Quand il se choquait, il était un peu violent. Des fois, il a poussé. Il a jamais punché, il a jamais frappé. Mais il a poussé, genre, des fois, dans le divan, il a tassé dans le mur, ou de quoi. Il avait-tu des amis? Tu sais, son comportement a changé quand? Il a jamais changé son comportement. Okay. Il a toujours été lui-même, là. Il n'a pas été plus agressif. C'est juste elle a mené à cette année. Okay. Y avait-tu des amis, mauvaise fréquentation? C'est qui mène parce que c'est quelqu'un qui met fin à ses jours comme ça dans un hôpital, c'est quelque chose de grave. Là. Ben, dans le fond, elle ne savait pas qu'il s'était suicidé. Là. Elle s'en doutait aussi en même temps à l'hôpital. Fait que, je suis désolé, je pensais que vous aviez été mis au courant. Non, j'ai juste appris sa mort aujourd'hui. C'est ça. Il a mis fin à ses jours. Je sais qu'il. C'était un gars qui prenait de la drogue, fait qu'il avait peut-être des problèmes d'argent aussi, que ça le rendait furieux. Il me devait au moins 100$, là, parce que des fois j'ai emprunté. J'ai jamais su ce qu'il faisait avec, par exemple. Etc. Tu vois que c'était comme une relation pas super. Il disparaissait-tu souvent? Il y avait-tu des places qui se tenaient? Il y avait des qui cachaient des affaires? Pas tant, là. C'était un gars qui se tenait beaucoup sa promenade avec ses chums. Puis c'était ça. Ou il se tenait dans les bars du bas de la ville. Puis, tu sais, genre, son fun aussi, des fois, c'était d'aller intimider les plus jeunes, tu sais, genre. Il avait comme 24, lui, tu sais. Puis il aimait ça, il intimidait les jeunes, il avait genre 18 ans qui rentraient dans un bar la première fois, là. Tu sais, il faisait comme. Tu sais, t'es encore un petit jeune, là. Fait que, tu sais, il intimidait les nouveaux adultes, tu sais. Ok. C'était un bully. Ok. Pas mature, là. Est-ce que vous avez une photo de lui avec ses amis, juste pour aider à. Oui, là, elle va comme chercher son portable, puis sur Facebook, tu sais. Puis là, tu vois comme. Lui, il a ses chums un peu. Puis il m'a dit ça comme lui, c'était son frère, tu sais. Puis son frère, il a les tatous, des trucs de mort. Puis. Son frère, il est plus. Dans le bout de son réel. Fait que, tu sais, c'est pas un. C'était pas une bonne ambiance, nécessairement. Je pense que. C'était jamais officiel, mais je pense qu'il tournait autour des bikers sans être un. Tu sais, il y avait des chums là-dedans. Tout le monde dit, ah, j'ai des chums dans les ailes. Bon, ben. C'était ce genre de gars-là. Ça parlait. Il y avait-tu. Il était-tu religieux ou quelque chose? Oh non. Ça fait beaucoup trop fort. Quelconque respect pour ça. Non, ben. T'sais, n'importe quoi de spirituel. Par rapport à non, ça, il y avait-tu des effets personnels? Ben. Non, il était pas non plus dans le satanisme. Là. Il faisait rien de. De spirituel autant bon que mauvais. Là, tu sais, il était juste là. Ça, puis ça, je vais prendre les noms des gens. Puis... Fais-tu pas une liste de. Mettons son frère, deux de ses chums. Puis les bars où est-ce qu'ils se tenaient. Okay. Puis là, je vais la remercier beaucoup. Comme tu sais,
que les guides qui va avoir vraiment, tu sais, qui va avoir la, probablement la, des agents qui vont venir prendre la déposition comme officielle. Moi, j'étais là pour l'enquête préliminaire, pour, okay. Pour essayer de voir les liens, la cause du décès. Je sais pas, ça va marcher là-bas. Ça se pose pas de questions. Qu'est-ce qu'il veut, le rigueur, cette déposition, là? Non, okay. Je veux dire que j'étais juste... Mais c'est pour ça, j'essayais de faire le background pour... Puis je vais quitter avant que ce soit là, je sais, puis je la remercie beaucoup. tout dans le fond, tu la barque, tu es à pied ou tu es dans le char? Pour le moment, moi, je suis à pied, mais on ne doit quand même pas être si loin que ça de la rue Giroir. Non, 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 on n'est pas très loin. Je vais aller checker... Fais perception à l'avenir. Perception. Oh, ça y est. Ça y est. Si tu l'as pas, tu peux sur une mine. Boom! Headshot. Ça a été mon perception. Ça n'est plus ça. J'ai un 7, un 6, puis j'ai 2 de specs. Tu sais, comme quand tu sors dehors de la maison, puis tu dis ben, à la fille, genre, là, tu vois un char qui part, un char tout noir qui part, qui tourne un coin de rue, puis qui sort. En vol. En vol. Mais il est noir, il ne vole pas, il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas de pneus. C'est comme le contraire des chars de tantôt. Mmh. C'est ça, mais il vole à terre. Ah ouais, quelqu'un qui me suit. Moi, la dernière fois, quelqu'un m'a suivi. Ça a mal fini, t'as tué un des kings de la région. T'as fait fusionner 2 gangs de sabbats qui s'aissaient. Les deux, je vous avais donné le flat rival, puis elle a tué les deux. Fait que lui, ça pensait qu'il était une gueule. Deux gangs. Fait que après ça, je vais aller. Je vais me diriger vers le bas de la ville, puis je vais, comme Anouk, j'avais probablement laissé Anouk faire la surveillance plus loin. Je vais demander si elle a vu une chambre. Ok. Il était-tu là plus longtemps? Tiens, bonne pour, elle m'a dit qu'elle était bonne pour se cacher. Fait que... Elle n'était pas du bon bord voir la chambre. Okay. Tu sais, elle l'a peut-être remarqué, mais elle n'a pas vu qu'il y avait du monde dedans. Tu sais. Yep. Fait que. En tout cas, on fait un tour de nuit. C'est pour la nuit, hein, j'irai pas dans les bars tout de suite, je veux pas que ce soit louche. Okay. Je vais y aller probablement le lendemain. Donc, toi, Arthur, avais-tu quoi à faire cette nuit-là? Je vais amener Anouk dans le event temporaire que j'ai. Ok. Donc, c'est quoi cette nuit-là? Comme ça, je vais regarder. Okay. Si elle accepte de suivre, elle va te suivre, c'est sûr, là, pour l'instant. Tu sais, dans le fond, tu sens qu'elle veut pas être toute seule, jamais. Elinor, t'avais-tu quoi faire encore cette nuit? Ça dépend, Arthur. Ça dépend, oui. On me rappelle-tu? Ah oui, tu as des. Ouais, ok, je vais faire ça tantôt. Vous allez avoir des appels. Parce que toi, Carmen, va te répondre. Full texto. Carmen, elle va te répondre. J'ai 500 millions de textos. Ouais, c'est ça. Blogue ton sel. Je vais te dire. Puis je vais te texter que l'ex est pas reliée à ça, mais que j'ai une autre piste. Dans le fond, si elle me recontacte, ce que je veux dire, c'est moi, je suis dans un rush, là, je vais aller à sa bibliothèque. Ok, je dis j'ai appris ça, puis dans le fond. De pouce en l'air. Je lui dis aussi que mon but, c'est comme de préserver un peu la culture, puis d'en apprendre beaucoup là-dessus. Puis dans le fond, je suis prêt comme à. T'étais dans mon champ. Un peu comme. Je suis désolé. Financement des ressources pour. Conserver ça. Pour investir là-dedans, si tu veux, pour faire de quoi. En échange d'avoir accès à sa bibliothèque. Jules, toi, tu vas attendre les textos. Ouais, puis je pense que je reste à l'Elysium. Là, je vais tout gérer de là. Il n'y a pas de temps pour le dépendamment des réponses. Oh, moi, il y a déjà pas mal d'affaires à faire. Mais oui, puis moi, à part si on m'appelle. Ça dépend, il peut se passer de la merde de ton bord. Ah, ouais, ben, c'est ça. Mais moi, Seb, il essaie de nous ramener ensemble. Mais ben, tu sais, j'essaie de te donner une semaine de congé, tu l'as pas pris, ben, je vais faire de quoi. Ah, on va mettre de la merde à l'hôpital. Tu sais, je t'aurais sorti de l'hôpital, tu faisais quoi, mais sinon, tu vois, je vais te mettre de quoi à l'hôpital. On va y aller. Ben, c'est parce que moi, n'oublie pas, je suis salubri. Hein. C'est pas. Salubri à 8 d'humanité. Peut-être. Ouais, c'est vrai, il y a quelque chose pour qu'il. M'a pas faire comme, hey, il m'a allé me tenir avec des gangrels et des Malkavian. Non. Non, pas. Les Malkavian, peut-être, si c'est l'intention de me sauver. Ouais. Mais t'as pas l'air d'un gars qui a besoin d'être sauvé. Il a peut-être besoin de quelqu'un qui la sauve. Tu sais, la healer, quand elle mange. Toi, je t'ai pas rencontré encore. Non, on s'est pas eu. Même pas. Moi, j'ai hâte de t'en parler. T'es tellement pas au même place, hein? Non.
Faudrait que tu te tiennes à l'hôpital. Mange une volée. C'est plus rare. Ça se peut que ça arrive. Hey, je le sors, ça marche comment le coup des combos. Il reçoit-tu un texto ou pas? Il faut que tu ailles les deux. Mais je le fais pas à soir. Niveau, puis après ça, c'est un coup d'XP. Non. Tout dépend de ce que c'est. C'est pas vrai, mal. Je suis parce que souvent en game temps. Ça me promet ton 2 d'office. C'est ça, je veux pas trop continuer. Je suis supposé d'avoir le prix en échange. Tu sais, dans le fond, je vais checker si on finissait la nuit. Sinon, la prochaine game, on va continuer la nuit. Mais il va falloir avancer un peu dans le temps. Je sais. C'est trop long. Mais c'est parce qu'on fait plus chaque heure. Ouais, puis moi, c'est parce que je bouge pas, mais Chris, j'ai juste cette petite communication. Ça peut qu'il se passe rien, qu'on trouve pas de piste, quoi que ce soit, 2-3 jours, on passe 2-3 jours. Puis ouais. Là, c'est comme, hop, le leader part ou quoi que ce soit. Ouais, parce que, tu sais, il se passe pas de la merde à chaque jour. Ben, c'est ça. Moi, j'ai développé une histoire à chaque jour. Tu sais, demain, il va arriver de quoi? Après-demain, il va arriver de quoi? Tu sais. Ton histoire est buildée comme ça. Je la build comme ça, mais tu sais, il y a des affaires que j'enlève ou que je rajoute, tout dépendant de ce qui se passe. T'sais. Fait que. Mais des fois, tu sais, tu peux dire, regarde, au lieu que ça arrive le lendemain, ça arrive comme 3 jours après. T'sais. Ouais, c'est ou ça. Ou une ça semaine dépend. Après. T'sais. On fait comme on fait nos moves, on fait nos affaires, on regarde. Tu sais, t'envoyer une ligne à l'eau, puis whoop, à mort une semaine après. C'est ça, ouais. Ça va nous permettre justement, au lieu d'attendre après des textos, ben on les reçoit, je veux pas, on arrive une semaine plus tard. Là, on a des réponses à nos questions. Non, mais si tout le monde apprend à attendre après des textos, souvent on fait ça des bons 2-3 heures. Ouais, non, c'est ça. Genre, on attend même de les recevoir, c'est juste qu'on les joue pas parce qu'il y a rien à faire. Là, dans d'autres games, on passe des semaines, même des années. Puis avant, je vais essayer de faire un crush pour aller voir la cathédrale s'il y a... Puis je vais aller, le lendemain, je vais me. C'est la dernière journée que Sliver me dit que je vais rester. Il va faire la prochaine journée. Non, mes notes disent. Jusqu'à la fin de la semaine, il reste combien de temps? C'est vendredi, on est lundi. Ah, je suis correct quand même. Il reste encore une semaine. Ah, ok, je pensais que ça passait plus vite. Tu avec moi? Hein? Pourquoi? Parce que tu m'as dit que j'avais un event si, quand j'avais besoin. C'est pour ça que je vais. Tu m'as donné ton numéro pour me dire que quand j'aurais besoin de. Hein? C'est juste qui a donné ça. Tu m'as donné ton numéro pour me dire si, que le event, ce serait de te contacter toi pour y avoir accès. Ok. Ok, overall. On va donner 3 d'XP. Yay! À tout le monde, les gars? Ouais, je fais toujours ça. C'est correct.